Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on fait deux événements, la fête des mères et le baptême chez nous, les cathos. Donc, je vous mets un peu de musique d'abord, la notification est passée et je parlerai de deux thèmes, bien sûr. Rassurez-vous, pas de baptême, mais de la fête des mères et d'une histoire très préoccupante dans notre société africaine, comme d'habitude. Je vous mets qui? Les Yedi Alame, Yemi Alade, bien sûr, Yemi Alade, Maman Africa, hein, pour dire bonne fête à toutes les mamans et à notre continent mère, l'Afrique. Maman Africa, je vous aime. J'espère que la couleur est bonne, hein. Donc, je vais partager. On vous aime les mamans. Je reçois tellement de messages. Excusez-moi de commencer maintenant parce qu'après il faut aller à des fêtes, des baptêmes et tout. Et je n'aurai pas le temps dans une heure. Je vais faire un peu de partage. Let's go, let's go. Merci. Personne n'est comme Maman Africa. Nulle part ailleurs. Il y a tout Maman Africa seulement. Il n'y en a pas deux. J'espère que vous allez bien. Pardonnez de commencer à cette heure-là. Vous viendrez voir après, n'est-ce pas? On va partager encore une fois. Waouh, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis Mancré Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Vous me connaissez évidemment, ceux qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice de ce formidable projet Conscience Nouvelle. Conscience Nouvelle, c'est quoi? C'est une prise de conscience en renouvelant ses pensées. Prise de conscience, pensée nouvelle, conscience nouvelle. Voilà. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de contribuer au changement radical. Et lorsque je dis radical aujourd'hui, là, on va écrire radical. Un grand R, un grand A, un grand D, un grand I, un grand C,
un grand A, un grand L. C'est inadmissible ce qui se passe dans notre continent, dans nos relations, les uns avec les autres. Mais avant de commencer par ce thème, je vais vous dire, souhaiter la bonne fête à toutes les femmes, à toutes les femmes. Parce que, je vous assure, lorsqu'on est une femme déjà, on est automatiquement, hein, c'est une présomption irréfragable, comme on dit chez nous en droit. C'est une présomption qu'on ne peut pas renverser. On ne peut pas changer. Ce n'est pas une présomption simple. C'est-à-dire, lorsque tu es une femme, tu es déjà une mère. Parce qu'une femme est déjà une mère en pensée. Lorsqu'une fille naît, elle a déjà une poupée. Elle commence à jouer à la maman. Elle commence à développer ses instincts maternels. Donc, une femme, ce n'est pas seulement celle qui met un enfant au monde. C'est une femme, c'est celle qui donne de l'amour à toute l'humanité. Sans de femme, il n'y a pas de vie. On avait des animaux ici. Lorsque il y avait la toute dernière femelle qui a disparu, on n'a plus eu de chat. Parce que la femme, effectivement, la femelle, tout ce qui est au féminin, c'est la vie même. Donc une femme qui porte l'enfant d'un homme, elle porte l'éternité de cet enfant. La femme, c'est l'éternité d'un homme. La femme est au centre de tout. C'est lorsqu'on a fini de créer la femme, on en a dit tout est achevé. Comme dirait quelqu'un, c'est quand Jésus a remis sa mère dans la main de son disciple préféré qu'il a dit maintenant tout est accompli. Parce qu'avec la femme, s'il n'y a pas une femme dans ta vie est inachevée. Ta vie est inachevée. Et c'est ça. Il faut le dire, il faut le redire pour que la mentalité de nos hommes, là, cette mentalité bizarre, là, sortie de nulle part, là, disparaisse. Qu'ils sachent en fait c'est quoi une femme. Une femme, c'est divin. Elle est co-créatrice avec Dieu. Le seul moment où Dieu a créé, là, c'est une seule fois. Après, nous avons pris cette charge-là. Nous donnons la vie, nous créons la vie. Nous sommes co-créatrices avec Dieu en personne. Donc, quelque part, là, il faut avoir peur. C'est un mystère, la femme. C'est un mystère. Et grâce à elle, un homme peut être éternel. Elle porte l'éternité d'un homme. Donc, il faut dire d'abord bonne fête à toutes les femmes. Et rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous n'avez pas mis au monde un enfant que vous n'êtes pas mère. Moi, je suis déjà mère. J'ai mis au monde conscience nouvelle. Je vous assure, conscience nouvelle, c'était symboliquement dans mes rêves. Où j'étais enceinte durant les années universitaires, j'étais enceinte. Je rêvais toujours que j'étais enceinte. Et une année avant de mettre conscience nouvelle sur place, j'ai accouché. Donc j'ai accouché de mon projet. Je suis déjà mère d'un enfant qui aura 2 ans bientôt, le 13 juillet, conscience nouvelle d'abord, avant de mettre, si Dieu le veut, bien sûr, en réalité, un enfant au monde. Mais je me sens déjà mère parce que je le suis d'abord en pensée. Toute femme l'est en pensée, donc elle est une mère. Donc bonne fête des mères à toutes les femmes. Celles qui le sont déjà en réalité avec un bébé en main, celles qui vont en devenir et celles qui le sont en pensée. C'est très important. La maternité, ce n'est pas seulement ce que l'on voit là. Il y a ce que nous ne voyons pas qui est dans l'esprit de la femme. La femme qui produit beaucoup de choses en esprit. Donc bonne fête à toutes les femmes et pour celles qui ont perdu leur mère, ce n'est pas la peine de mettre toujours sur Internet que votre maman n'est pas là, les photos de votre maman. Non. Elle continue à vivre en vous. Votre mère continue à vivre en vous. Ça, il faut le savoir. C'est parce que peut-être que nous sommes des gens, il faut qu'on touche des choses avant de sentir. Hein? Écrivez, lorsque vous êtes là, écrivez. Sinon, je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais je ne les vois pas. Tant que vous n'écrivez pas, je ne peux pas vous voir. Donc, si votre mère n'est plus là, pensez dans l'intimité, je vous assure. Ce n'est pas la peine de chercher la pitié, la clémence des gens sur Internet. Votre mère n'est pas là, vous ne la voyez plus avec vos yeux de chair. Mais elle continue à vivre en vous. Elle continuera à vivre dans vos enfants. Souvent, il y a des enfants, lorsqu'on les voit, on dit, moi, il paraîtrait que en apparence, je n'ai rien de ma grande mère paternelle. Mais lorsque quelque chose ne va pas dans le village, tout le monde la connaît pour ça, elle a son mot à dire. Elle recadre les choses. Et c'est ce que j'ai pris d'elle. Donc, elle continue à vivre en moi. Donc, lorsque mon père me voit, elle me voit parler, au départ, il ne voulait pas le dire. Maintenant, tout le monde le dit ouvertement. Au départ, on crie, ah, tu parles trop, tu fais ça, tu bouges trop. Mais alors que ma grand-mère était comme cela, elle n'a pas besoin d'avoir été à l'université. Elle avait l'âme-là. Et c'est génétique. Donc, on m'a transmis cela. Joyeuse fête des mères à toi également. Joyeuse fête à toi, la Ninoise. Sois heureuse. Peu importe ton niveau, je ne sais pas quel est ton statut, mais joyeuse fête à toi aussi. Quand on est une femme, on est automatiquement une mère.
d'abord en pensée avant de l'être. Parce qu'une femme, déjà, contrairement à un homme, hein, c'est lorsque l'enfant est né qu'il se dit « Ah, je suis papa !» Mais une femme, quand elle rencontre déjà un homme, elle s'imagine déjà être enceinte de cet homme-là. Donc, on est déjà des mères en pensée. C'est pour cela que je me sens mère, je suis désolée de vous le dire. Donc, je ne veux pas pourquoi je dois pleurer, être triste de quoi que ce soit. Donc, je le disais, ma grand-mère, c'est le caractère d'elle que j'ai. Pourtant, on ne se ressent pas, je n'ai pas connu cette femme. Mais on me dit, lorsque dans un village, les choses n'allaient pas, cette dame illettrée d'un village, une femme normale, qui prenait la parole et qui disait ce qu'elle avait à dire. Et ça, c'est mon Christelac aussi, votre éveilleur des consciences. Donc, je vous dis à tous, ne soyez pas tristes, ne mettez pas les photos de vos parents, de faim, les photos de votre maman. Moi, mes parents vivent, mais vous n'allez jamais voir les photos. Voilà, peine perdue. Voilà, ils détestent être exposés comme cela. Donc, rassurez-vous, ne faites pas cela. Voilà, si votre maman n'est plus là, allez-y prier, priez pour eux, pour qu'ils prient aussi pour vous. Voilà, là où ils sont, je suis sûre qu'ils ne sont pas en enfer. Ils sont dans un lieu où ils intercèdent pour vous, ils prient pour vous. Ils veulent que tout aille le mieux pour vous. Et lorsque les parents ne sont plus là, Dieu devient votre père et mère en même temps. Pour les catholiques, nous, on a Dieu le Père, on a mon mari, il nous l'a donné. Donc, je ne serai jamais orpheline, jamais de ma vie. Parce que lorsque mes parents biologiques vont disparaître, mon Père Céleste va reprendre sa place dans ma vie. Et c'est ce qui est important. Donc, on n'est jamais orphelin. Lorsque vos parents ne sont plus là, Dieu devient votre Père. Et c'est lui le vrai Père. Il dit, il n'appelait personne Père, là. C'est ce que ça veut dire, hein, les évangéliques, là. C'est ce que ça veut dire. Il est le véritable Père. C'est ce que ça veut dire. Je suis le véritable Père. Vous pouvez avoir des parrains, marraines. Aujourd'hui, on a baptisé, je suis catholique, on a baptisé les enfants avec les parrains et les marraines à côté. Il faut savoir que parrain, marraine, c'est tes parents spirituels. C'est pour cela que chez nous, tout le monde n'est pas papa, maman. Voilà. Ta marraine, il y a toujours un dictionnaire dans mes lives. Le français, ce n'est pas notre langue. Je dis toujours cela. Donc, la marraine, le parrain, ce sont tes parents spirituels. Ce que vous appelez chez les évangéliques, papa, pasteur. Chez nous, l'église te donne quelqu'un qui doit te guider dans ta spiritualité, normalement. Mais on voit le contraire ici. Bon, bref, ce n'est pas le moment de parler de cela. Donc, tu auras toujours des parents, toujours des gens qui vont prier pour vous, des gens qui ne vous connaissent pas. Hein? Prions pour ceux qui souffrent. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais rapidement vous dire encore une fois, voilà, bonne fête des mères. Et sans doute même pour le père aussi, je vais vous le dire. Et pour les pères, je suis toujours rude parce qu'il n'y a pas de bon papa, surtout noir. Il y a une raison. Donc, il faut éduquer les pères. Mais pour les mamans, ne vous en faites pas. Si votre maman n'est pas là, Dieu joue ce rôle-là dans votre vie. Il dit son amour est plus que l'amour d'une mère. Voilà. Donc, il joue les deux. Si tu es évangélique, protestante, il joue les deux dans ta vie. Chez nous, on a maman, Marie. Donc, on a papa, le père et la mère. Donc, on n'est pas orphelin. Je ne serai jamais orpheline. Donc, ne vous mettez pas ça en tête. Écris sur les murs. Mettez les photos de vos défunts parents. Hein, je ne sais pas, vous voulez qu'on prie pour eux. C'est quoi le but? Donc, ce n'est pas intéressant de toujours exposer vos parents. Ils ne vont pas aimer cela. Moi, je sais que mes parents détestent cela. Donc, je suis sûr que vos parents n'aiment pas cela là où ils sont. Donc, par ma voix, arrêtez cela. Priez pour eux à chaque fête des mères. Maman, je t'aime. Si vous n'avez pas eu le courage, le temps de pouvoir vous réconcilier avec vos parents, c'est l'occasion rêvée. C'est l'occasion rêvée à chaque fête des mères, à chaque anniversaire d'eux ou de votre anniversaire pour dire, je suis désolée de ce qui s'est passé dans notre vie. Je n'ai pas eu le temps. Je suis même en larmes. Je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec toi, maman. Et j'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je te dis pardon, maman, et je sais que tu me pardonnes toujours. Et prie pour moi, ok? Faites-le, ça sera très important pour vous. Je vous porte en prière aussi. Je m'attriste aussi avec vous. Je ressens votre douleur en ce moment où tout le monde a papa et maman et vous n'avez pas. Je ressens votre douleur, mais faites-le en silence. Internet là, ce n'est pas le chant de quelqu'un, je vais revenir là-dessus, sur ce thème. Ce n'est pas le chant des parents de quelqu'un. Donc, ce n'est pas tout on expose. Ce n'est pas toutes les tristesses non plus qu'on expose. Donc, la marraine, je vais vous dire c'est quoi. C'est comme le parrain. La marraine, non, ça doit être sans doute en grec. Non féminin. Ah, c'est en latin. Matrina, de mater, mère. Celle qui tient un enfant sur le fond du baptismo. C'est un baptême.
celle qui donne son nom à une cloche, à un avis, femme qui présente quelqu'un dans une société, bon, bon oui. Donc la marraine, en fait, c'est celle qui tient un enfant sur les fonds du baptême. C'est une mère. Vous avez vu, mater, c'est une mère. Donc, c'est, rassurez-vous, on n'est jamais orphelin. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire en ce jour. Et pour celles aussi qui sont stériles et qui voient d'autres femmes afficher leur bonheur, les femmes sont comme cela. Elles ne sont jamais heureuses. Celles qui sont heureuses, là, ne s'affichent jamais. Rassurez-vous, elles sont équilibrées, elles sont calmes dans leur coin. Celles qui viennent vous montrer pour tout juste vous narguer et tout ça, parce qu'elles sont enceintes. Je vais parler du problème d'une dame. Elle m'avait confié il y a quelques mois de cela. Je n'ai pas eu le temps de faire son live. Ça m'a beaucoup fait triste. Ça m'a rendu triste parce que elle est mariée depuis des années et elle n'arrive pas à faire des enfants, à concevoir. Et c'est un moment de douleur. Hello, si tu me regardes, Miss F, si tu me regardes, Madame F, si tu me regardes. Et angoissée par cet instant-là. Son mari étant un mari normal à l'africain, normal, bon, que l'on voit toujours ici, avait une copine dehors qui s'est rendue compte que la femme qui est dedans ne fait pas d'enfant. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle piège le mec avec une grossesse et c'est elle qui est obligée d'accepter l'enfant de sa rivale, on peut le dire en guillemets. Vous ne savez pas comment c'est douloureux. Lorsqu'on a même ses propres enfants, c'est pas aussi grave. Mais lorsqu'on n'en a pas, et une autre dehors vient, et puis tu viens un bon matin avec un enfant, tiens, c'est l'enfant de ma copine et tout ça. Et la dame en pleurs, en crise, m'a dit de parler de cela. Qu'elle reste calme. Et qu'elle reste, elle marie devant Dieu, et qu'elle reste calme. Qu'elle aille devant Dieu, et qu'elle dise à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as donné ce mari. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas concevoir. Si c'est de ma propre faute, je te demande pardon. Hello Marie Conné, bienvenue à mon live. Si c'est de ma propre faute que je ne peux pas concevoir de façon naturelle, je te demande pardon. Voilà le déshonneur que mon mari vient de me faire en apportant un enfant du dehors. La dame sait que si elle a un enfant, celle qui est dehors basculera. Mais rassure-toi, il n'y a pas 10 000 mariages. Ce que Dieu a uni là, personne ne peut le détruire. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le détruire. Reste ferme dans la barque. Tu sais sur qui tu as mis ta confiance. Regarde ce Dieu-là. Continue toujours dans la prière et dans le secret. Tu m'as dit, tu es protestante, moi je suis catholique, je vais te donner ma foi. Fais comme mon mari. Pourquoi on ne parle pas trop d'elle dans la Bible? Parce que c'est une femme qui était secrète, cachée. Je suis sûre qu'elle a eu toutes les humiliations possibles dans sa vie. Mais elle a gardé tout dans son cœur. Elle a sans doute parlé à Dieu. Et aujourd'hui, là, et c'est une femme dont tout le monde parle, en bien comme en mal. Tu parleras d'elle. Elle est inévitable. Dans n'importe quel livre, vous prenez le Coran, elle est là. Voilà. Donc, continue toujours à prier pour ton mari d'abord. À prier pour votre union. Ne pas pleurer parce qu'on n'a pas d'enfants. Mais dis-toi que tu as des enfants, sans doute au ciel. Dis-toi que tu es déjà une mère. Et bénis Dieu pour ce qu'il t'a donné déjà. Merci de m'avoir donné un mari. Il n'est pas sur la bonne voie, mais merci tout de même. Et prie pour sa conversion. Mais personne ne pourra te déloger de là où tu es. Tu es la seule à pouvoir te déloger de là où tu es. Tu es la seule. C'est une peine perdue. Si elle veut qu'elle cabine 10 000 enfants dehors, mais toi, tu restes dans la barque. Tu restes dans la barque. Et tu continues ferme à jouer ton rôle de femme et de mère dans les pensées. Et ne pleure pas pour donner raison à des esprits impurs. Donc voilà pour ton cas, j'avais bien voulu parler de cela en un long terme, mais je profite pour le dire, hello, sois courageuse, j'espère que tu viendras un jour ou l'autre voir ce live-là, et tu sauras que c'est de toi que je parle, voilà. Donc en parlant du deuxième thème maintenant, rapidement. C'est pas évident de travailler sur l'internet. Les gens ne savent pas l'air présent. Ils ne connaissent pas à quel temps nous sommes. Les gens pensent qu'on est dans l'air de l'agriculture ou de l'air de l'industrialisation ou de l'air, je ne sais pas de quoi. Ils pensent cela. Donc, ils ne savent pas qu'on a changé
de temps et que là on est à l'ère de l'information et que l'information oblige tout le monde à avoir une nouvelle forme de profession. Ce deuxième thème-là, c'était quoi j'ai mis comme thème? C'est inadmissible de critiquer le travail des autres. Lorsque Conscience Nouvelle vous vient ici, c'est pour parler des tas de la société, des problèmes de la société, surtout dans notre société noire africaine. Il y a de dérives, il y a de graves problèmes qui font que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes les derniers des derniers, nous sommes à l'arrière-plan, nous jouons à l'arrière-cour. Mais nous indexons toujours les gens d'être à la base de notre malheur, alors que le véritable problème, c'est nous-mêmes. C'est le noir et sa façon de penser, son mauvais cœur, comme disait un coach, un master coach, son mauvais cœur très dur. Le noir a un mauvais cœur très dur. Si le noir n'a jamais évolué là, c'est parce qu'il a toujours caché les informations qu'il avait pour sa famille ou même pour lui tout seul. Alors que les autres, quand ils ont découvert votre secret, ils ont créé l'école, ils ont vulgarisé l'information. Donc ils sont devenus tous puissants contre vous. Mais le noir a une connaissance, il cache, il meurt seul. Combien de génies il n'y avait pas chez l'Africain? Si on ne s'associe pas avec le blanc ou l'autre des autres races pour tuer les nôtres, nous, mais nos propres frères, lorsque je regarde Lumumba et je vois que ce sont des noirs qui l'attachent, lorsque je vois Samuel Do, je vois que c'est des noirs qui vous torturent votre propre frère, des gens qui vous ressemblent. Et vous, vos enfants viennent s'asseoir gaillardement. C'est à cause de France, la monnaie. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'on ne réussit pas. Alors que le problème, c'est dans votre mentalité pourrie. Disons cela ouvertement. Si le noir est ce qu'il est, c'est son obscurantisme. Il était fort. Il était le plus la race dominante. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on nuit à d'autres? On est deux ou trois personnes, nous savons seulement lire. Le blanc, il est venu, il a vu que il y a des écritures ici. Il a développé une université, il a développé des philosophes. Ils ont commencé à apprendre pour venir vous dominer. Parce que très cher, ce n'est pas un monde d'enfants de cœur. Lorsque je viens m'asseoir ici pour vous parler, je suis d'abord juriste d'affaires transfrontière franco-allemande. J'ai une profession, j'ai un diplôme. Lorsque je suis arrivé ici en 2014, j'ai commencé à travailler et je me suis rendu compte, déjà même en Europe, lorsque j'allais dans des supermarchés africains qu'on appelle Afro-Shop, je réalisais qu'il y avait quelque chose de bizarre dans notre façon d'agir. Il y avait quelque chose de bizarre, mais je n'avais pas encore pris conscience. D'où Conscience Nouvelle, rassurez-vous. Donc, de retour au pays pour les vacances en 2014, je n'étais pas encore préparée pour rester ici. Je dis bisous, bisous à ma très chère copine qui m'a encouragée à revenir au pays. Elle s'appelle Moussako Makarine. Je t'aime, j'embrasse ton fiancé, j'embrasse tes enfants, je vous aime de tout mon cœur. Désolée, je n'ai pas souvent le temps de venir vous voir. Donc, elle me conseille. En Europe, là, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est chez toi. Tu as des connaissances ici, viens, commence à travailler. Parce que si tu vas, tu restes là-bas, tu seras perdu. Mais lorsqu'elle disait cela, il est passé de 2012, 2013, où je me sentais plus bien en Europe. D'abord, j'ai cru que c'était lié à la ville dans laquelle j'étais. Donc, j'ai changé de ville et tout ça. J'ai tout abandonné, je suis allée dans d'autres villes, mais je ne me sentais pas bien. J'avais fini mes études. J'étais stagiaire chez un avocat, un grand avocat. Vous voyez mon bureau, mais c'est incroyable. Comme on dit, souvent, il y a des pièges. Donc, un beau bureau et tout ça pour une stagiaire et tout ça. Il m'a dit, est-ce que je veux travailler? Mais si je veux travailler avec lui, de faire avocat et tout ça. Et subitement, j'ai dit non. Lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai dit, mais tu es idiote. On te demande si tu veux travailler, tu dis non. Et j'ai dit non, je veux travailler pour les entreprises en fait, pour l'instant. Donc, rester juriste. Donc, je reviens en Afrique pour la deuxième fois. Cette fois-ci, je suis mieux préparée. Je reste. Avec un visa qui était encore valable, je reste. Et puisque j'ai quitté durant une dizaine d'années l'Afrique, lorsque je reviens, c'est un choc incroyable. J'ai pris 3 années pour pouvoir me remettre. Un choc incroyable. J'ai travaillé dans des lieux. Je voyais des choses qui se passaient. C'était un mur entre moi et des gens qui me ressemblaient. Je voyais ce qui se passait. Je dis, mais je rêve.
Je passais tout mon temps dans la rue en train de parler. Je parlais durant une trentaine de minutes, souvent dans le bus, souvent on venait me chercher. Et je disais, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'étais en colère. Et après, je suis allée encore dans un autre boulot, c'est pareil. J'ai commencé à croire que c'était un problème lié à moi parce que je venais de l'Europe et tout ça. Mais il y avait un véritable problème, mais je ne savais pas. Je vous raconte cela parce que je veux en venir à un point. En 2015, je reste à la maison, je décide de travailler pour moi-même. Les gens ne le savent pas. On contacte une structure qui va se mettre en place ici en Côte d'Ivoire. Je devais travailler pour cette structure-là. Partagez ce live. C'est lorsqu'on parle de garçons, on veut tous entendre. Partagez ce live. Ça peut aider quelqu'un qui veut rentrer au pays et qui ne sait pas. Donc, la structure, c'est une structure suisse. Germanophone. Et le monsieur qui doit travailler avec eux ne comprend pas l'allemand. Donc, je vais travailler avec eux. Mais je sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je suis sans force. Moi qui suis très dégourdie, je suis sans force. J'aimerais bien que tu m'encourages à revenir, mais mon problème, c'est mes enfants. Oh, il faut qu'on en parle, mes enfants. Quoi faire? Je suis en Allemagne. Tu n'es pas dans ce live pour rien. Partagez ce live. Souvent, là, moi, j'ai fait l'Allemagne. Je ne sais pas quelle ville tu as fait. Moi, j'ai fait Hambourg, Hansestadt. J'ai fait Nordrhein-Westfalen. J'ai vécu une Köln. Je suis en Köln, Mädchen. J'ai vécu une Saarland, une Saarbrücken, où j'ai étudié aussi. Après, j'ai fait la Saar, comme on dit en français, Saarland. Après, je suis allée à Lothringen, Lorraine. Donc, j'ai étudié dans les deux universités. C'est pour ça que je suis franco-allemande. J'ai fait un double diplôme. Et après, je connais beaucoup de villes. Donc, tu me dis la ville dans laquelle tu es. Mais à un moment donné, il faut qu'on en parle en privé. Je vais te contacter, il faut qu'on en parle. Beaucoup d'Africains doivent revenir. Mais ce n'est pas le thème, mais j'ai expliqué mon problème et on parlera très cher Marie Conné. Tu n'es pas dans ce live pour rien. Donc, j'avais peur comme toi aussi. Je suis venue, mais je n'ai pas pu résister. Si tu viens, tu ne pourras pas résister et tu as des enfants, c'est pire encore. Ah, je suis à Constance. C'est quelle ville exactement? Je suis à Constance. Hein? C'est quelle Allemagne fédérale? C'est à l'Allemagne fédérale, c'est quelle région exactement? Voilà. Il faut me dire exactement c'est quelle région exactement pour que je puisse savoir. Constance, ça ne me dit pas grand chose. Voilà. Ça, Berlin, c'est où exactement? Voilà. Au sud, au nord, à l'ouest, au centre. Dis-moi exactement et puis je te dirai. Donc, j'étais là où c'est dans une petite ville. Hein, Marie Conné? Donc, je suis revenue. J'ai commencé à me sentir mal dans le travail dans lequel j'étais. J'ai changé de travail, c'était pareil. Et après, je voulais travailler pour un groupe suisse, mais je n'avais pas la force. Je suis au sud. Mais dans quelle région? Tu es où? À München? Tu es en Bavière? En Bayern? En Wiesbaden? Tu es où exactement? Donc, je suis restée 2015-2016 en train de chercher une autre solution. Mais un peu affaiblie. En 2016, je découvre sur internet, vous savez, lorsque votre esprit commence à... Quand je vous dis que ceux qui doivent être connectés à Conscience Nouvelle, c'est des gens qui cherchent une solution, qui ne savent pas quoi. Je savais qu'il devait changer quelque chose dans ma vie, mais je ne savais pas quoi. En 2016, je découvre une page d'une dame qui parle de mariage, mais qui parlait de ce que... Il ne faut pas chercher le mari des gens. Elle s'appelle Charlotte de Rubeuf School. Je dis, waouh, cette femme a de la gnaque. Je like ça, sa page, je vais là-bas, mais ça ne m'intéresse pas à parler de mariage et tout. Mais quelque chose m'oblige à rester sur sa page, parce qu'elle a eu le courage de dire, ayez chacune votre mari. Parce que lorsque je travaillais, je disais toujours à ces femmes-là, vous avez un langage qui n'est pas correct. Et je me suis créé des ennemis, et ça je le sais. Mais je savais qu'il fallait passer le message. Je pouvais rester des heures, après le travail, de 16h jusqu'à 19h, à parler à des jeunes filles dans les bureaux. J'ai commencé à faire Conscience Nouvelle. Et lorsque je suivais Charlotte de Rubeuf School sur Facebook, elle a balancé un message de Zach Mwekasa d'abord. Toujours, j'oublie de le dire. J'écoute le jeune homme, je dis waouh. J'appelle une de mes soeurs, je dis regarde, il parle comme nous. J'avais commencé à avoir peur, je dis sans doute que, parce qu'il a l'apparence de mon père un peu. Je dis attends,
Est-ce que c'est pas un enfant caché de papa? Donc on essaie de voir, on se rend compte qu'il n'est même pas ivoirien, il est de l'Afrique centrale, congolais, mais de quel Congo, aucune idée. Donc, mais on a le même langage. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'est pas moi qui étais folle, mais c'est parce que je n'avais pas rencontré des gens qui parlaient le même langage que moi. Subitement, j'ai compris que, ah ah, justement, voilà le problème. Donc, j'ai continué à suivre cette dame-là, puisqu'elle disait une certaine vérité, mais elle était attaquée par des femmes mariées. Charlotte, allez-y sur son mur, vous pouvez lui poser la question. Elle était attaquée pas par les maîtresses, les chisas, mais elle était attaquée même par des femmes mariées qui prenaient de faux profits pour l'insulter. Vous voyez comment nous sommes, nous, les Noirs. Mais elle a toujours continué. Je suis allée souvent, j'ai eu un peu de courage pour aller lui dire, continuez, continuez. J'ai partagé ces choses, partagé ces choses. J'ai commencé à savoir que, ah, il y a deux personnes qui parlent le même langage que moi. Un bon matin, je vois la dame qui met le message, oh, je voulais venir avec le billet. Je n'ai pas déchiré le billet. Elle balance le message d'une dame. Je vois, c'est mis Lady Sonia. Elle est plus virulente même que Charlotte de Rubeb School. Je dis, waouh! Mais justement, voilà le langage qu'il faut. Donc, je suis allée liker la page de cette dame. Je balançais les vidéos de cette dame chaque jour parce que c'était le langage que je tenais à chaque fois. J'en viens. Et un bon matin, puisque souvent elle parle de mariage et des choses moi, qui ne m'intéressaient pas, donc quelque chose me dit, continue à la suivre toujours. Je la suis. Et elle dit toujours des noms des gens. Elle a dit la toute première fois, hello coach Thierry. Subitement, je suis allée chercher coach Thierry sur Google. Et je suis tombée sur Thierry Henry qui joue au football. Vous le connaissez, ce que les jeunes, les garçons savent. Thierry Henry, c'est un Français qui a remporté la Coupe du Monde en 1998. Très connu aussi. Alors qu'il commençait pas à pas être coach. Donc j'ai dit non, ça ne peut pas être de ce coach-là. Donc j'ai continué à suivre cette Lady Sonia. Elle est là, elle parle, elle a son langage un peu ivoirien, mais je sens qu'elle n'est pas si ivoirienne. Mais pourquoi elle a un langage ivoirien? C'est après, plus tard qu'on comprend. Je continue à la suivre. Partager ce live. Je continue à la suivre. Un bon matin, dit un nom. C'est pour cela, lorsque je suis ici, là, je dis toujours le nom des gens, des coachs qui sont là. Parce qu'une personne a eu à le faire pour moi. Si cette dame-là, je vais lui demander, présenter mes excuses. Si cette dame-là n'avait pas dit le nom de certains coachs, Jermaine William, moi, Christelle Akosi, je ne serais pas devant vous ici. Partagez ce live. Elle a dit un nom. Elle a dit coach Thierry. Je suis allée chercher, ça a donné une autre personne. Mais lorsqu'elle a dit le hello, saluer le coach William Jermaine, le nom, je n'avais jamais entendu ce nom. Jermaine, c'est un nom, c'était la toute première fois que j'entendais ce nom. Subitement, j'étais connectée à ce nom, je cherchais sur Internet, j'ai trouvé. Donc, j'ai commencé à ne plus suivre coach Lady Sonia parce que c'était trop femme, ce qu'elle disait. Donc, j'ai commencé à suivre le coach Jermaine William. Durant 6 mois, de 2016, fin 2016 ou milieu 2016, jusqu'à février 2017. Et mon travail, le deuxième travail, après je suis reparti travailler encore dans une banque. Et mon travail a commencé à être bizarre. Et tout le monde me disait, fais attention, il doit avoir un piège. Donc il faut commencer à prendre tes marques et tout ça. Mais chaque soir, j'allais sur YouTube suivre ce monsieur. Et je disais, voilà, c'est le message qu'il me faut. J'écoutais ce message. J'avais ce message avant tous, hein. Ce message que je vous donne, ce n'est pas un message qui est né comme cela, ce n'est pas un hasard. Mais j'avais besoin d'être connecté à des gens. Comme toi, Marie Conné. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. J'avais besoin d'être connecté à certaines personnes. Donc, je n'ai pas eu le courage au départ de parler à ce monsieur. Mais je l'ai suivi. Jusqu'à ce que le 18 avril 2017, je quitte le boulot. Mais lorsque je quittais le boulot, je vous assure que j'étais heureuse. Je voyais des gens qui ricanaient. Ce que je gagne aujourd'hui là, ils ne gagneront pas durant 2 ans. Hein? L'argent ressemblait durant 2 ans, non pas. Que ce que je peux gagner sur une semaine, au fil du temps. Il ne s'agit pas d'argent, mais c'est une façon banale de parler. Parce qu'on voit sur les terrains du travail ici, ce que les gens font, mais un jour j'aurai la force d'en parler. Qu'est-ce que les gens font pour des miettes? Qu'est-ce que les gens font pour des miettes? Quels sont les coups bas et tout ça? Mais je partais, je pris mes affaires, toutes mes affaires, j'ai rangé. J'avais peur, mais cette peur était
sans crainte. Je ne sais pas comment vous dire cela. J'avais peur. Je ne savais pas le lendemain, mais j'avais déjà, puisque j'ai commencé à écouter une autre information, ma peur n'était pas de crainte. Je ne pleurais pas. J'avais peur, je quittais le travail. Il y a une fille qui dit, hey, Abidjan qui est dur là, comment tu vas avoir du travail? Il faut retourner en Europe. Je regardais tout droit devant moi. Je ne me retourne jamais pour regarder en arrière. Je regardais tout droit devant moi. Dans la voiture avec mon père, je pensais à ce coach-là. Coach William. Mais je n'ai rien dit. Je suis allée réécouter encore son live. J'ai eu le courage. Et lorsque j'écoutais le live de ce monsieur, il a parlé d'un certain monsieur Darcy. Et ce monsieur Darcy, au même moment aussi, a parlé d'un certain coach Thierry. C'est là que j'ai compris que, ce Thierry-là, Auré-là, c'était le même de Lady Sonia. Donc, je suis allée, je les ai écoutés. Donc, il fallait choisir. Parce que je voulais changer de direction de boulot. J'avais comme ça avoir une force, une pression ici à la maison. Tu ne peux pas rester à la maison. Il faut que tu cherches du boulot. Ou même tu vas retourner en Europe. Ou tu vas retourner au Canada. Mon père était au Canada parce que ma soeur avait fini ses études. En 2017, une de mes soeurs qui a fini ses études au Canada a reçu la visite de mon père. Et du Canada, j'ai appelé mon père. Je dis, si tu rentres, j'ai des choses à te dire. Elle me faisait la pression ici. Je sentais la pression. Les amis du travail qui appelaient, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, est-ce qu'elle ne va pas repartir? Mais je suis une personne, je n'abandonne jamais. J'abandonne difficilement. C'est un caractère. Mais je savais la décision qu'il fallait prendre. J'avais peur, mais c'était sans la crainte. Je ne tremblais pas. Lorsque mon père est venu, je l'ai fait asseoir ici, à la terrasse ici. Je dis, j'ai des choses à te dire. Il dit non, prends tes dossiers. Je fais mes dossiers et j'ai honte de présenter mon CV à des gens. Pourtant, mon CV là, il est riche. Quand tu regardes, tu es jaloux même du CV. Mais j'avais honte de présenter. Parce que je n'étais pas née pour présenter. Jusqu'à ce qu'un ami européen de mon père vienne ici, il me regarde, il me dit, mais tu es ton propre chef. C'est comme un déclic. On a besoin de chacun dans la vie. C'est comme un déclic. Le monsieur a dit, non, toi, tu ne peux pas travailler pour quelqu'un, tu es ton propre chef. Un déclic. Mais apaisé dans mon cœur. Lorsque mon père était là, je lui ai expliqué le problème. J'ai un peu d'argent de côté. Mais sans doute que j'en aurais besoin. J'ai besoin que tu m'aides à pouvoir faire une formation. Donc j'ai écrit au coach William, ce fameux coach William, en pleurs. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à pleurer. C'était sur son site internet, j'ai commencé à pleurer. J'expliquais un peu ma position. Et il a dit, ok, tu es sûr que ce que tu veux faire là, c'est une bonne chose. J'ai dit, c'est la meilleure des solutions. Mais malgré cela, j'ai continué pour faire plaisir à la famille, envoyer quelques CV et tout ça. Donc j'ai pu contacter ce monsieur en WhatsApp. Et il a dit, voilà, sa formation coûte 200 euros à l'époque. Ça ne coûte plus ce prix-là. En 2017, ça coûtait cela. Mais sa promotion de mai, ironie du sort, en mai, la promo de mai, promo 5, commençait à finir. Donc, d'attendre la promo prochaine, en juin, le 9 juin, commençait la promo. On est encore en mai. L'histoire. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'histoire. Et j'attends jusqu'en mai. L'argent est sur moi. Je vais payer. Mais lorsque j'appelle, il ne répond plus. Un esprit a commencé à entrer dans ma tête. Des pensées étranges. La nature horreur du vide. Que regarde ce monsieur-là? Il doit être évangélique. Toi, tu es catholique. Tu n'es pas pareil. Et puis en plus, il n'est pas de la maison mère. Et en plus, il est quoi? Les Camerounais? Quel Camerounais? Bamileke. Tu connais en Allemagne, Marie connaît, va te dire, les deux mauvaises nationalités, Nigérien et Camerounais. Et encore, qu'est-ce qu'il est? Je crois qu'il est Bamileke. Mais regarde ses yeux, globuleux. J'ai commencé, oh, c'est un anarqueur. Jusqu'à ce qu'il me réponde qu'il a reçu l'argent. Je dis, ok. Donc le 9, on commence sa formation, qu'on appelle la formation des talents. Je n'allais pas là-bas pour connaître mes talents. Je savais exactement ce que j'avais. Mais je ne savais pas que ce que j'avais là. Je pouvais aussi développer cela en profession.
Je fais ça depuis mon enfance. Mais je devais développer cela en profession. Mais lorsque vous allez avec lui, peut-être que ça a changé. Mais lorsque vous allez dans sa formation, il vous dit, qu'est-ce que vous êtes allé dans votre enfance? Fouillez dans votre enfance. Je suis allée, je fouille dans mon enfance, je demande à mes parents. Toujours me racontait cela, mais on me racontait la chose de façon négative. Ah, toi, t'es un enfant, tu parlais trop. Une fille ne parle pas trop. Tu bavardais trop. Tu as commencé à parler à l'âge de 6 mois. C'est pour cela que je parle rapidement. À 6 mois déjà, je parlais. C'est une qualité incroyable. À moins d'un an, je marchais. Je défendais tous les enfants du quartier, du village. Parce que mes parents étaient des étudiants. Mon père étudiait, il naviguait, il était en Europe. Et ma mère a fait une formation d'infirmière. Donc, ils n'étaient pas trop là. Donc, ils m'ont confié ma soeur et moi. Ma soeur a un tuteur et moi à ma grand-mère. Et ma grand-mère avait tous les soucis. Elle disait, faites tout, vous allez finir, vous allez pas quitter avec votre enfant là. Elle parle trop. Des enfants du village venaient, ils avaient peur de mon apparence parce que j'étais toute blanche. Toute blanche, j'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Et j'avais moins d'un, je marchais à peine et je parlais couramment. Couramment. Et je pouvais dire aux gens, si je vois une situation, je peux dire que cette situation n'est pas bonne. Un enfant d'un an. Donc, il fallait toujours me cacher dans la maison. Il fallait toujours me cacher dans un endroit. Mais lorsqu'il y avait des problèmes, les enfants du village couraient. Christelle, Christelle, on nous provoque, viens. Donc, mes parents ont cru, hello Marie-Thérèse, sois là, partagez ce live. Je parlais d'un problème. Certaines personnes savent de quoi je parle, plus ou moins. Ma grand-mère me cachait dans la maison. Donc, lorsque les enfants venaient, ils venaient me chercher, j'allais les défendre. Et tout le monde croyait que je serais avocate, juge et tout ça. En grandissant, j'ai commencé à aimer la politique et j'ai commencé à étudier les sciences politiques. Après, j'ai laissé à cause des statistiques, je suis allée étudier le droit et j'ai fait le droit franco-allemand puisque je ne suis pas très allemande. Donc, j'ai étudié un droit international des affaires. Et là-bas, j'ai rencontré un jour, je vous explique toujours cette histoire. Un homme des agents secrets qui me disait toujours d'où est-ce que je sors mes connaissances. Mais je ne savais pas qu'il savait que c'était... J'avais trop des informations importantes, mais je ne peux pas le savoir. Normalement, je ne dois pas le savoir, ce que je sais. Mais parce que Dieu nourrissait mon esprit. Je suis née pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, devant vous. Mais il fallait me préparer, il fallait que le temps propice arrive. Le monsieur m'a conduit dans une base américaine en pleine Allemagne, mais je ne dirai pas le lieu. Où il m'a donné, je vais vous expliquer une histoire qu'il a eu à m'expliquer. Il m'évitait toujours. Il m'écoute. Non, prends ça, mon bois. Il voulait me soutirer. C'est ça la différence avec les blancs. Un blanc sait qu'il peut te profiter de toi, il va prendre toutes tes connaissances. Mais un noir, il va s'asseoir pour te détruire. J'ai tout noté ici. Un noir va prendre toutes les formations qu'il a de toi là, pour te détruire. Donc moi, je crois que tout ce que je disais là, c'était négatif ou c'était idiot, c'était ridicule. Donc c'est pour cela que les gens me disaient, mais d'où est-ce que tu sors cette information? D'où est-ce que tu sors cette information? Et il arrivait un moment où l'information s'est arrêtée. Mes connaissances se sont arrêtées, ça a commencé à stagner. Et j'ai commencé à faire des rêves où j'étais enceinte et tout ça. Et je crois que j'avais peur en tant qu'étudiante de ne pas prendre une grossesse. Et ça serait un déshonneur pour mon père. Donc je prenais au sens propre, je vous ai déjà dit cela. Je reviens en Afrique. Je commence à travailler comme je vous ai dit et tout ça. Et je contacte le coach William. Et quand je fais la formation des talents, la promotion, ça a commencé le 9 juin 2017. Je ne vais jamais oublier cela. J'ai commencé cela. Mes parents ont commencé à expliquer que je parlais trop. J'ai commencé à parler à l'âge de 6 mois. J'ai une soeur qui a parlé très tard. Et je suis celle qui a le plus parlé. J'embêtais toujours ma soeur qui n'a pas parlé très tôt. Je disais, tais-toi, je parle. J'avais 6 mois, j'ai pas. Un enfant de 6 mois qui passe, c'est un problème. C'est, les parents auraient dû comprendre que l'enfant est différent. Mais pour eux, une fille doit se taire. Et mon père a dit une chose qui m'a choquée. Mon père a dit, tu étais un enfant très éveillé et très indépendante. Lorsque tu nous voyais, tu cours, tu vas, tu nous embrasses. Après, tu vas jouer. Donc, il fallait te porter des collants. Mon père m'a montré une blessure. Lorsqu'on dit Dieu nous connaît là, je le vois à travers mon père. Mon père m'a montré une blessure qui est sur mon propre corps que je n'avais jamais vue. Il dit, regarde ce membre-là. Est-ce qu'il est pareil avec ce membre-là? Non. Tu étais tellement canaille. Il a expliqué l'histoire. Un jour, je vais écrire sur moi. Ne vous inquiétez pas. Donc, il disait, tu étais tellement éveillée et très indépendante. Donc, c'est ce qui fait que je ne suis pas une fille qui s'accroche aux gens. Je ne m'accroche pas aux situations. Je ne cherche pas un père. Je ne cherche pas. Non. Même mon père, mais souvent, j'oublie qu'il est là.
Donc, quand il expliquait cela, j'ai dit, ah, je suis né éveillé. D'où l'éveilleur de conscience. C'est ce que je suis. De façon naturelle, avant d'être une juriste, où voilà l'école apprendre et avoir un diplôme. Mon diplôme, il est là. Donc, je suis de nature un éveilleur de conscience. Et par mon agissement, à travers même les enfants du village, qui couraient toujours pour venir m'appeler, Christelle, viens nous aider. Christelle, viens nous aider. Et je venais. Et ma mère dit que ce qui lui faisait rire. Ma grand-mère avait tellement peur. Je viens et puis je me mets devant ma grand-mère. Je dis, ma grand-mère, pardon, il faut me prendre. Souvent, il y avait des enfants qui étaient grands, mais j'avais un an. Je dis à ma grand-mère, il faut me prendre. Je leur dis deux mots. Il faut me prendre. Je leur dis deux mots. Ma grand-mère dit, où est ta taille? Où est la ta taille? Je dis à ma grand-mère, toi, quitte là-bas. Regarde, toi-même, tu t'es regardé. C'est incroyable. Donc, on me prend et puis je dis ce que j'ai à dire aux agresseurs des enfants de la cour. Dès que j'ai fini la formation des talents, ça a confirmé ce que je savais déjà. C'est pour cela que je me suis mise en marche une semaine avant la fin de cette formation. J'ai commencé à créer mes choses. Il y a une fille qui est là, elle vit, elle va vous dire. Elle dit, mais Christelle est un peu trop, elle boue trop. Mais c'est comme si on avait déclenché quelque chose en moi. On a dit, top. Et au même moment, en juin 2017, là, repartons un peu en arrière, en juin 2016, la grossesse que je portais depuis des années dans mes rêves, là, j'ai accouché d'un gros garçon. Je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc, une année plus tard, puisque j'ai accouché, la chose s'est manifestée dans la réalité. Seule, dans ma chambre, j'ai attrapé l'enfant dans ma main. Un gros garçon comme celui-là, un peu dans mon apparence. Donc, l'année qui a suivi, j'ai fini le 9 juillet 2017. Moi-même, j'ai oublié la date. Le 12 juillet 2017, j'avais déjà écrit que j'allais mettre ma structure en place. Et de fin juin jusqu'en le 12 juillet, mon esprit, comme je dors et quelque chose me réveille. Quelque chose me réveille. Quelque chose me dit, mais je dis à Dieu, mais pourquoi dans notre société là, on est si... C'est comme ça que j'ai posé la question, mais Dieu, mais pourquoi dans notre société, il y a tant de problèmes? Et ça, une voix m'a dit subitement, c'est parce qu'on n'a jamais changé notre mentalité. On est le seul peuple qui n'avons jamais changé notre mentalité. D'où le renouvellement de nos pensées. C'est là que j'ai pris par une prise de conscience. En même temps, c'est devenu conscience nouvelle. Et là, j'ai écrit conscience nouvelle sur un papier en minuscule, seul me coucher en pleine minuit. Une voix me dit, lève-toi. J'ai écrit C en grand N. Et j'ai demandé pourquoi. Parce que ça serait une marque. J'ai reçu la réponse clairement. Si elle, j'ai réécrit. J'ai dessiné cela. À même que subitement, le sommeil m'a repris comme si je suis allée dormir encore. Je suis réveillée. Et chaque fois, j'étais nourrie de quelque chose. J'étais nourrie de quelque chose. Et quand j'ai fini, je continuais toujours à suivre ce coach-là. Et je voulais, puisque j'étais têtue, j'avais voulu commencer par, en tant que, mettre ma structure de juriste en place. Baden-Württemberg. Genau, je vous cesse. Hello, salut, salut. Comment il va? Consciente. Hello, oh yes, ça fait vieux. Elsa Ostens, il y a une jeune dame qui doit te contacter. J'espère qu'elle a eu à le faire. Hein, son nom commence par D. Elle doit te contacter. J'espère que tu vas très bien, ma très chère Elsa. Donc, je voulais faire ma structure de juriste, mettre cela en place. Et subitement, j'ai regardé un audio, comment mettre sa page Wix. Elvie, si tu viens regarder, tu vas te souvenir. J'ai dit à Elvie, puisqu'elle avait déjà un blog à l'époque, j'ai dit, mais comment comment on construit un site internet? C'est en cherchant sur YouTube que je suis tombée sur un blogueur qui est connu, il s'appelle Olivier Roland. Je suis tombée sur son blog. Il disait souvent, ta passion là, c'est la colère que tu as. Ça a déclenché, j'ai compris pourquoi. J'étais toujours en colère lorsque je voyais les choses dans la rue, lorsque je voyais dans la société dans laquelle je travaillais. Je me suis créé tous les ennemis du monde. Donc la colère que je ressentais là, c'était ça en fait ma passion. D'où mon appel, ma vocation. Vocation, il y a le mot voix. Hein? Cette fille qui est en Allemagne, Marie Conné, Berufung, une vocation. En allemand, Beruf, Ruf, c'est l'appel, on t'appelle. Berufung, un appel, une vocation, il y a une voix qui t'appelle. J'ai compris subitement, vraiment, merci beaucoup pour ton courage. Je suis là. Salut ma belle. Oh, salut Hortense Dakele Richter. C'est une Ivoirienne qui vit en Suisse. Elle a de produits naturels. Allez-y sur sa page, regardez. Hello ma très chère renouvelée. Betty Oumoutoni.
C'est la très chère renouvelée du coin. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, Criqui. Oui, oui. Je lui ai dit de te contacter. Elle veut rentrer en business avec toi. Son nom commence par D. Voilà. Et puis, son autre nom commence par K. DK. Si tu vois, c'est... elle vient. Elle ne savait pas qui t'étais. Je dis, t'es sympa. Les gens ont peur de nous parler. Parlez-nous. Vous voyez Elsa Hortense parler. Elle aussi, elle fait... elle est dans le e-commerce business des marchandises et tout ça. Et, mais elle est étudiante en Russie. C'est pas parce qu'elle parle. Elle a mis une caméra que elle est hautaine, elle est... Non. Allez-y lui parler si vous voulez lui parler. Et Madame Richter, elle a des produits, elle va vous montrer. Si vous voulez aussi faire des business, elle est là, mais elle est en Suisse. Mais c'est une Ivoirienne, d'origine Ivoirienne, pardon. Donc voilà. Donc je fais ce que l'édition a toujours fait pour moi. C'est pour cela que je suis ici. Elle a toujours présenté des coachs. Voilà. Si elle n'avait pas dit de nom de certaines personnes, je vais lui présenter mes excuses tout à l'heure. Je viens. J'en viens. Je vais lui présenter mes excuses. Lady Sonia, on va te... sans doute que je vais me mettre à genoux pour te demander pardon. Donc, je me suis rendu compte que ma passion, c'était là ce qui me mettait en colère. Donc, j'ai laissé ma structure qui va naître bientôt de juriste. Je conseille aussi juridiquement, j'ai mis de côté. J'ai commencé à monter sur NAT. Sur NAT, je vais vous montrer ma NAT. Je vais faire sortir ma NAT. Sur NAT, je me couchais, je me prenais des papiers et puis je faisais les croquis de ma structure conscience nouvelle. Il n'y a pas de honte à voir. Je vais vous montrer des choses. Je vais faire sortir ma natte sur laquelle je me couchais. Je regrette pourquoi je n'ai pas pris des photos de l'époque pour vous montrer. J'ai pris ma natte. J'ai commencé à mettre ma structure. Je ne savais pas comment construire des sites. J'ai mis conscience nouvelle. J'ai pris un site gratuit. Tout ça, je vais vous expliquer sur YouTube. Donc, j'ai mis tout ça en place. Et c'est lorsque j'ai su que ma passion, c'était ma colère que j'avais, c'est là que j'ai posé la question à Dieu. Mais pourquoi on a un comportement bizarre qui me met toujours en colère? C'est là qu'il m'a dit qu'on a la seule société qui n'avons pas renouvelé nos pensées. Donc, je voulais vous appeler les éveillés. Que je suis un éveilleur de conscience. Donc, quand j'ai demandé qui suis-je, automatiquement, il a dit, je suis un éveilleur de conscience. Il y a un mois de cela, mes oncles étaient là. Ils ont dit, pourquoi tu étais trop éveillé. Tu étais trop éveillé. C'est quel enfant ça? On m'appelait la cancanière. J'ai un oncle en Allemagne, hein, à Cologne, hein, tonton Franck. Il m'appelle la cancanière. Ça vient de là. Il dit, j'avais un an et demi et tout ça, je venais m'asseoir lorsqu'il venait de vacances au pays. Je lui dis de s'asseoir, j'ai des choses à lui dire. Je raconte, ça ne finit pas. Il dit, hein. Hello ma très René, partage le live, assieds-toi, partage le rêve, tu me donnes une idée, prenons des photos. Prends des photos, je regrette, ça m'énerve. Ma natte est là, je vais la chercher. Voilà ma natte. Voilà. Voilà ma natte sur laquelle je me couchais. Voilà la natte. Elle est défaite même. Là, voilà. Je la mets derrière pour vous énerver. Je vais énerver les gens. Mais je vais me calmer pour parler de ce problème-là. Voilà ma natte. Et vous la voyez. Elle est bonne. Non, attends, j'ai bien la placer. Voilà. La natte prophétique. Donc, j'ai commencé. J'ai mis ma structure en place. Et tout et tout. J'ai commencé par écrire sur un blog. Et j'écoutais ce blogueur-là. J'ai commencé à écrire des blogs. Je me suis dit, mais comment tu as gagné de l'argent avec en écrivant des blogs? Laissons ce côté. Donc, j'ai fini. Quelque temps plus tard, on dit, il y a un coach qui doit venir faire une conférence ici. Je suis allée à cette conférence. Il a dit, il a choisi trois filles. Toi. Vous faites une conférence. Vous débutez comme des conférenciers. On a commencé. Le groupe n'a pas marché tranquillement. On s'est séparés, chacun a trouvé sa voie. J'ai continué. La natte sert à quoi? La natte, là, c'est la natte sur laquelle je me couchais pour dessiner, faire les croquis de conscience nouvelle. Conscience nouvelle est née sur cette natte-là. Voilà, c'est sur celle-là. Ce n'est pas dans un jet privé qui s'est né. C'est né sur ça. Donc, je continuais à écouter le coach William qui disait, vous ne lisez jamais. Prenez les livres. Voilà Robert Kiyosaki. Quand il a dit Robert Kiyosaki, je suis allée, j'ai vu mon père. Je lui ai dit, papa... en quoi acheter des livres et tout ça, et on a parlé de père riche, père pauvre. Il dit, mais quoi? Il y a 3 mois de cela, j'ai un ami, lorsque je suis allée au Cameroun, il m'a dit de l'acheter. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Un ami lui a dit d'acheter exactement les livres que le coach William, qui était mon coach des talents, qui a fait que j'ai pu mettre en place ma structure, conscience nouvelle, à exiger, recommander des livres. Mon père l'avait acheté 3 mois auparavant. C'est-à-dire des mois avant même que je prenne la décision.
de faire la formation des talents avec ce coach William. Maintenant, on ne peut pas acheter ces cours. Hein. C'est très cher maintenant. Donc, j'ai pris un cours de stratégie média. J'ai commencé à travailler. J'ai mis ma structure, mon site internet en place. J'ai commencé à travailler. J'évolue seul, tranquillement, sans problème. La photo que vous voyez là, de conscience nouvelle que vous voyez là, la photo de conscience nouvelle que vous voyez là, hein, c'est lui qui a eu à le prendre. Cette photo-là, c'est une histoire, mais je ne veux pas la raconter tout. Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Quand on prenait l'histoire là, lorsqu'on prenait la photo là, je suis venu avec une valise d'habits. Mais il a dit, tu dois porter seulement un seul habit. L'habit que en même temps, l'image est venue devant moi. C'est l'habit là que vous voyez. Copié mais jamais égalé là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, de conscience nouvelle là. Oh, je ne sais pas comment je montre ça. La photo de conscience nouvelle, c'est lui qui a eu à prendre. J'ai pris plusieurs photos, mais cette photo-là, c'est comme ça Dieu me voit. Dès que j'ai fini de prendre la photo, une voix en moi a dit, voilà ce que tu es, voilà comment je te vois. Voilà comment je te vois. Mais il fallait nous voir. C'est l'évangélique qui prie pour moi. Mon coach est évangélique. Il est camerounais, il est bamileke. C'est lui qui va prendre ma main, pleurer. Pour ma main. Il y avait un monsieur qui était là, qui était témoin. Prier pour moi. Et j'étais tellement heureux ce jour-là. On a pris des photos. On prend des photos, ça ne finit pas. Je vais vous montrer. Oh là là, je voulais vous montrer cette belle photo de conscience nouvelle. Toutes les photos que vous voyez de conscience nouvelle, c'est lui qui a eu à prendre cela. Ce jour-là, je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je ne vais jamais oublier ce jour. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer pourquoi je parle de cela. Voilà. Oh, je ne retrouve pas la vidéo. Comment je retrouve la vidéo, cette vidéo-là? Mais c'est pas grave. Vous la voyez toujours, c'est la vidéo de présentation de conscience nouvelle. Donc c'est comme cela, j'ai commencé à me mettre en place. J'ai commencé à travailler dur. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est sa société Destiny. C'est ça, Destiny. Je suis Mangré Christelle Apessi. Je suis ivoirienne. Je vis présentement à Abidjan. Je suis une nouvelle blogueuse sur la toile. Je suis. Un vrai bon bamileke. Tout ce que je déteste là, évangélique, étranger, camerounais, bamileke, tout est là pour fuir. C'est une leçon de vie. Ça, c'est ma vision. Une Afrique meilleure. Pas cette Afrique-là d'esclaves en Libye. Pas cette Afrique-là d'immigrés clandestins. Vraiment, merci, car nous sommes un peuple qui se plie trop. De voir des hommes d'affaires émergents, à qui on tresse le tapis rouge dans chaque coin du monde. Je rêve de cette Afrique-là. Aujourd'hui, on va parler. Ces jeunes hommes-là, ces jeunes femmes-là. Et pour cela, tout passe par ce changement de mentalité, comme je viens de vous dire, par le renouvellement des pensées. J'aimerais, pour l'année 2018 qui tape à notre plan, arriver à pouvoir convaincre plusieurs jeunes à la lecture, par exemple, des livres de développement personnel, de participer à des conférences, à des webinaires, à m'écrire et me dire que voilà le problème que j'ai, voilà la vision floue que j'ai. Et tout ce que j'ai dit là, lorsque je commençais, c'était flou. Tout était flou dans ma tête. J'ai commencé. Je savais que je devais le faire, mais comment? Et j'aimerais que chaque jeune Africain, chaque jeune Noir se pose cette question-là. Comment j'arrive à faire les choses? Qu'est-ce que je sais faire d'abord? Et ce jour, je me souviens qu'une voix m'a dit, prends un livre avec toi. Voilà comment je te vois. Voilà comment Dieu me voit. Durant, je me suis venue avec 15 habits. J'ai cousu de nouveaux habits. Ça, c'est sa structure. Voilà. J'ai cousu plusieurs habits. Mais c'était ce que j'étais. Donc, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à découvrir beaucoup de choses. Et ainsi de suite. Et j'ai mis ma structure en place. Oui, maman, c'est la vérité. Oui, bien sûr, on se plaint trop et on se juge trop. On se juge trop. Mais aujourd'hui, on va en parler. Donc, j'ai continué ma voie tout simplement. J'ai commencé
à rencontrer d'autres, de nouvelles personnes. J'ai mis mon mastermind que vous voyez sur mes pages souvent. Ça, franchement, j'évolue. Pas pour moi-même, mais pour la mission dans laquelle... C'est comme si la mission que je fais, la mission accomplie, ça c'est fait. C'est fait. Ce n'est pas lié à l'argent, c'est lié à ce que je dois faire. Est-ce que je fais ce que je dois faire pour mon pays, pour mon continent? C'est là le fond du problème. Quelque, il y a une année comme cela, il y a une jeune dame, Renée, la fille qui est là, là Renée, on va dire les noms. Renée, la fille de Baham, Renée Georges, qu'elle s'appelle à l'époque, qu'elle avait écrit la fille de Baham. Renée Georges est une Camerounaise. J'étais en plein salon en train de lire, aucune idée. Je vois quelqu'un qui m'envoie un message. Hé, hey, toi là, tu es assise là. Au lieu de venir en train de m'amener ton coach, j'ai dit de quel coach? Aïe, aïe. Je vais, je regarde. Elle m'a tagué sur le lien. Je vais dans le lien, je vois que ce fameux coach William est m'amené dans une forme d'interview par une dame. Le titre c'était « Est-ce que le développement personnel est chrétien? Est-ce que c'est pas satanique et tout ça ?» Et tu voyais les commentaires. Ah, mais je suis allée, je suis montée. Je ne suis pas venue avec les livres. Donc, quelque temps, mon bureau sera prêt. Tous mes livres seront derrière. Mais pour leur admirer ma natte. Est-ce que vous la voyez toute verte là? Voilà. Donc, je suis allée, j'ai dit, mais quoi? Heureusement, quelques jours auparavant, je suis allée dans une librairie. Je voyais tous les livres qui étaient là. Je les admirais. Et subitement, lorsque l'interview de ce monsieur est en train de se faire, de ce coach William et d'une jeune dame est en train de se faire, je voyais que l'image me revenait. C'est là, subitement, je me suis souvenu que, mais oui, mais tous les, en développement personnel, tout ce que vous voyez là-bas, là, John Maxwell, Pierce, dans la puissance de la pensée positive, tout cela parle de Dieu. Ce sont des pasteurs. Ce sont des pasteurs. Je vais vous prendre Robert Kiyosaki tout à l'heure. Ce sont des pasteurs. Ce sont des langages. Qu'est-ce qu'il dit, là? Non, je ne vais pas lui d'abord. Je vais prendre... Ça doit être dans ce livre-là. Oh, ça doit être... Je ne retrouve plus la page. Mais il prend des versets bibliques. Il prend, oui, maman, c'est la vérité. Oui, il prend des choses de Dieu. Il parle pas... Parce que si tu parles des non-chrétiens, tu parles de Jésus mort sur la croix, ça ne dit rien à personne. Donc, il faut parler autrement. Donc, la plupart de ceux qui sont dans le développement personnel sont des pasteurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais vous avez peur du message. Attendez. Donc, je leur ai dit, je suis désolée. Donc, lorsque j'ai fini de dire, j'ai vu que la dame a commencé avec son serra là, qui était dans son live, on commençait à avoir peur, ils ont commencé à être étranges, et à la fin, on a compris qu'est-ce qui l'animait. Oh, je suis allée, j'ai... Quoi? Comme d'habitude. Et René ne sait pas quand elle m'a appelée pour aller défendre ce coach-là. Depuis enfant, on m'appelle pour aller défendre les gens. Elle ne sait pas. Ceux qui m'ont suivi dès le départ vont voir la liaison. Donc, ça m'a fait rire. Donc, je suis allée. Quand j'ai fini, la dame s'est rendue compte que c'était bizarre ce qu'elle a fait. Et quelques mois plus tard, le mois dernier, elle envoie capture d'écran. Cette même dame qui a interviewé le coach pour dire que c'était le développement personnel est démoniaque, alors que tous les pasteurs sont dans le développement personnel. Tous leurs livres sont dans le rayon de développement personnel. Aucun prêtre n'a son livre dans le développement personnel. C'est moi, en tant que catholique, je vais dire, non, je ne dois pas normalement écrire tout ça. Je ne dois pas lire ces livres-là parce que ils sont, nous, on vous appelle les frères séparés. Les frères de l'église séparés, ils n'ont rien à voir avec nous. Non, nous, on est de l'église mère. Donc, je ne dois pas lire les livres. Je ne dois pas parler avec eux. Mais je ne fais pas cela parce que je suis ouvert d'esprit. Ma vision de la vie est large. Voilà. Donc, cette fille-là écrit, je vais vous lire ces choses. Il y a quelques mois de cela, elle écrit le 20 avril. Je suis protestante évangélique. Parce que l'arrogance dans laquelle les gens dans l'interview m'amenaient le monsieur. Mais à la fin de son interview, je dis, quoi, je suis désolée d'intervenir comme ça dans votre interview. Il m'a dit merci. Merci. On y arrive. Et quelques mois ou une année plus tard, voilà la même dame qui écrit. Lorsque quelque chose est vrai là, il faut attendre. Le temps te donnera raison. Parce que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Je suis chrétienne protestante évangélique, les petits frères des protestants là. Mais
j'ai vraiment de plus en plus du mal à gérer l'arrogance spirituelle dont une certaine catégorie fait preuve à force de prendre tout le monde de haut, de croire détenir la vérité parfaite. Je vais revenir sur votre arrogance là, en juin. Vous allez comprendre. Ici, c'est conscience nouvelle. À force de prendre tout le monde de haut, de croire détenir la vérité parfaite, ils se font plus pharisiens que les pharisiens dont ils dénoncent l'attitude à longueur de temps. Ils pensent qu'on est pharisiens. Aïe, c'est pas parce qu'on porte l'habit sacramental. Faut réfléchir. Mais je vais vous expliquer plus tard. S'il était autant dans le vrai qu'ils le pensent, y aurait-il tant de variantes et de divisions dans leur sein? En Dieu, il n'y a pas de division. Hein? L'Église a peut-être 2000 ans. Elle s'est jamais écroulée. Voilà. Chaque 100 ans, le protestantisme s'est écroulé. Mais jamais l'Église catholique. Il y a un secret. Le secret, c'est quoi? Il y a un chef à la tête. Capitaine. Même dans une équipe, il y a un capitaine. C'est un secret de vie. Pourquoi ils sont gênés par le pape? Pourquoi ils sont là, ils attaquent le Vatican? Parce que s'il n'y a pas de chef à la tête d'un pays, tout s'écroule. Si tu n'es pas sur une hiérarchie, tout s'écroule. C'est un secret de vie. Jésus, avant de partir, là, il a mis Pierre à la tête. Jésus n'est pas bête. C'est le Saint-Esprit qui a venu vous guider. Je reviens. Vous qui allez me parler des gens, là, je reviens. Un peu d'humilité ne nous ferait vraiment pas de mal de temps en temps. Et je le dis car je me reconnais bien dans cette attitude. Et cette fille-là, à son interview. Et je le dis car je me reconnais dans cette attitude. Comment il m'est arrivé de mépriser l'ignorance qui me semblait observée chez mes parents et mes proches. C'est vous qui connaissez. Vous connaissez tellement la Bible que vous ne la connaissez plus. On vous voit sur Internet. Il n'y a rien de Dieu en vous. Je viens. Oh, je viens. J'ai tout écrit. Hein? Venons. On va dire tous votre nom. Je marchais dans la lumière. Je marchais dans la lumière. Et je considérais les membres de mon église de l'époque plus importants que ma famille. Je dis, je vais vous prendre votre but pour vous taper sur votre tête. Je vous ai toujours dit cela. Puisqu'ils ne parlaient pas en langue. C'est ça. Ne connaissaient pas les clés des mystères et les protocoles de la foi, les stratégies de prospérité et les prières de délivrance des liens ancestraux. Je vais vous dire, je vais profiter pour dire, hein? Délivrer là, c'est l'exorcisme. L'exorcisme, ça a commencé d'abord dans l'église catholique avant. Lorsque vous voyez les films de vampires là, vous voyez, ils avaient une croix, les prêtres avaient une croix. C'est pas n'importe qui délivre un démon. Je vais aller dans quelques temps du chakra. Il y a un monsieur qui disait, fais très sensation au yoga. Quand tu vas en profondeur dans le yoga, là, tu ouvres des portes du chakra. Ce sont des portes. Une porte des yeux, un œil ici, ça, c'est des portes spirituelles, c'est des portes. Il y a des démons que tu ne pourras pas maîtriser, que tu ne pourras pas fermer. C'est pour cela chez nous, là. N'importe qui ne délivre pas. Il y a des gens qui ont ce pouvoir-là de faire de l'exorcisme chez nous. C'est pas n'importe qui. C'est pour se moquer d'eux que les films de vampires, on prend une croix de Jésus et puis on dit, on met devant les gens, arrière, arrière. Ou on fait comme ça, arrière, arrière. Voilà, j'ai porté non. Arrière, arrière. C'était ça. C'est pas l'église évangélique qui a pris à délivrer quoi que ce soit. Ne mentez pas. Je vais revenir là-dessus. C'est pas le programme. Quand on ne connaît pas, on demande. Je dis toujours cela. Je ne prêtais aucune attention à ce que mes parents pouvaient penser de ma vie et espérer pour moi. J'étais même plus peinée et me sentais plus coupable lorsque je n'arrivais pas à donner ma dîme que lorsque je n'arrivais pas à répondre à certains de leurs besoins, des besoins de ses parents. Vous allez voir ce qu'elle va dire encore. Oui, envers les catholiques et les musulmans, alors n'en parlons même pas. Arrogance et mépris. Hein? Elle a beaucoup écrit, hein? Heureusement que la vie et ses épreuves se chargent, elles aussi, de nous enseigner ce que nos intelligences tellement renouvelées, refusent de comprendre. On peut ne pas être d'accord avec les autres, ce qui est normal lorsque nous avons des convictions différentes. Mais de grâce, évitons de nous moquer du passé et de mépriser l'avenir. Car de toutes les façons, il viendra assurément ce jour où toutes les choses se saura parfaitement et aucun de nous n'aura à ce moment-là plus rien à dire. Avoir des convictions assumées et affirmées loin de nous rendre rigides, nous rend plutôt libres et capables d'échanger sans passion. C'est ce qu'elle écrit. Je l'avais trouvé d'un mépris, d'une arrogance. Ce jour-là, je ne les ai pas ratés.
Ils ont tous disparu comme des rats. Un peu comme dans le film Le Seigneur des Anneaux, là. Le meilleur. Ils ont tous disparu. Vous êtes malhonnêtes. Vous êtes malhonnêtes. Tous vos pasteurs là sont dans le développement personnel. Arrêtez de faire foutre le monde, le bordel partout. Pendant que les gens avancent, développent leur continent, nous trouvons des ennemis partout, c'est dommage. C'est ça le problème, oui maman, c'est... oui. C'est ça le problème. Et tu ne connais même pas l'histoire où je vais arriver, mais tu dis cela. Donc, dès que c'est fini, j'ai arrêté là. Je ne peux pas dire le nom, hélas. Je ne peux pas dire son nom, hélas. Mais je peux te donner un inbox, tu vas aller sur son mur. Mais tous ceux qui se souviennent de ce... René se souvient de ce... C'est elle qui m'a même appelé. Aller défendre le coach William. Il a été attaqué parce qu'il est en train de faire du coaching. Ça commence à prendre de l'ampleur. Ça énerve. On dit que c'est de Satan. Je suis allée les... Aïe! Le coach William, je suis qu'il était d'accord. Même s'il n'a pas ouvertement apprécié. Il n'a ouvertement pas dit cela. Il a dit sans façon que de nous attendre qu'on sera attaqué. Et puis c'est fini. On a arrêté notre conversation là. Il y a un mois auparavant... J'ai vu une vidéo d'une dame, d'un coach que le coach William, qui était très proche du coach William. Comme je croyais que le coach William était très proche aussi de l'éditionnaire. C'est hier ou avant-hier quand il faisait son live que j'ai su que c'était plus comme avant. Et elle s'appelle Amen Ondo. Nous, on dit les noms chez nous. Voilà, on fait droit de réponse. Plus jalousie, oui. Mais elle a été calmée. Elle était calmée. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, il faut montrer. Dans la vie, lorsque, c'est ça, on voit la grandeur d'une personne. Elle a reconnu son arrogance, elle a écrit sur son mur, le 20 avril. Si je te donne le nom, tu vas le retrouver. Si elle n'efface pas. Mais je prends un screenshot. Maintenant, je vais commencer à avoir des preuves palpables. Donc, elle a reconnu son tort et c'est ça la grandeur d'une personne. C'est lorsqu'on entre son boubé dans la merde, là. Je dirais aujourd'hui, non. C'est inadmissible. Donc, cette femme-là était proche du coach William. Ce qui s'est passé dans le secret, on ne sait pas. Aucune idée. Elle a fait un live où elle parlait de son livre. Audio. Un live où elle parlait de son livre. Et je suis tombée. J'ai tellement de choses à faire, je vous assure. Je vous parle. Hein. Je travaille en même temps sur ça. Sur ce iPad, sur un ordinateur. Bientôt, mon bureau sera ouvert sur mon ordinateur. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 choses. Je n'ai même pas le temps de dire que je regarde des choses. Mais subitement... Je suis tombée comme par hasard, comme ça, sur le live, au moment où elle disait une chose qui m'a fait bizarre sur son livre. J'ai eu l'impression que c'était de la femme du coach William dont elle parlait. Mais, j'ai dit non. Ok, je suis passée. J'ai trop de choses à faire. Il y a 5 business. J'ai pas le temps. Voilà. Donc, je suis passée. Et, il y a 2 jours de cela, il faut que je vous montre. J'ai enregistré certaines choses. Il y a 2 jours de cela, je regarde encore le live de la dame en audio. Et cette fois-ci, je regarde sur longtemps. Et je vois que elle parle de qui a raté sa vie. Et je me rends compte que... Ok, elle parle de qui? Mais elle ne dit pas le nom d'une personne. Le titre, j'ai tellement écrit. Le titre, c'est... comment rater sa vie. Et elle commence comme cela. Un coach m'a énervé ce matin. Donc, comment rater sa vie, hein? Elle va expliquer comment rater sa vie. Et elle parle de façon générale du business du coaching. Du business du coaching. Que tout le monde fait du coaching. Sur le thème de ce qu'il y a trop de coachs là, j'ai eu une fois à répondre. C'était le 30 décembre 2017 dans un live. Je vais vous remettre ce live là. Ou dans le groupe, parce que lorsqu'on finit la formation des talents, ce coach William nous met dans un groupe privé, secret. Et là-bas, la dame, elle est dedans, elle a dit, mais il y a trop de coachs. J'ai répondu ce jour-là. Mais je veux tous les autres dire, non, c'est pas la peine de parler, J'ai dit, tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses. Lorsqu'il y a une vérité à dire, il faut la dire. Tu n'as pas le droit de dire ce genre de choses. Tu es dans un groupe où on est en train d'organiser des gens à prendre leur vie en main. Et tu dis, il y a trop de coachs. Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de syndrome. Il n'y a pas de faux coach ou de vrai coach. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. J'ai dit, mais le nom de mon livre. Il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. C'est une effroyable imposture. Ça n'existe pas. Donc,
j'ai vu le coach réagir, puisque c'est son groupe qui l'anime. Il a dit non, de toutes les façons, tout ce qui n'est pas de Dieu va disparaître, ce qui est de Dieu va demeurer. Donc, ce n'est pas la peine de se disputer sur ce genre de choses. On a calmé le jeu. Je suis allé faire un live. Je suis allé faire un live. C'était le 28 sans doute, ou le 29, la femme a parlé, le 30, je fais un live. Je dis, ce n'est pas normal. Il faut soutenir les gens. Il faut faire cela. Ce qui n'est pas de Dieu là, ne demeure jamais. Je vais vous montrer mon audio tout à l'heure. Une séquence. Donc, c'était fini. Après, une autre aussi renchérie, une autre vient, elle dit, mais dans le groupe là, vous êtes tous entrepreneurs où il n'y a pas de travailleurs. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Quand tu dis cela, est-ce que c'est logique? Elle se met à rire. Aujourd'hui, voilà, où sont passées ces filles? Où sont passées ces filles? Disparues comme si de rien n'était. Espérons qu'un jour va se relever, prendre conscience et aller dans le bon sens. Donc, je continue ma voie tranquillement. Il y a 3 jours de cela, je regarde le deuxième audio encore de cette jeune dame, Amel Ondo. J'écoute. Quelque chose me dit, reste là encore. Et je reste. Et j'écoute. Mais je vois qu'elle ne parle pas seulement de... Moi, je suis contre ceux qui disent qu'il y a trop de coachs. Ce monsieur-là, Robert Kiyosaki, dit comme cela. Il a dit un mot qui vient de Dieu, hein, mais il n'a pas mis la version biblique. Mais il va vous dire, écoutez, il dit, « Un de mes amis qui est un érudit de la Bible dit souvent, « Sans connaissance, mon peuple périra. » Il a mis dans son Bible. Donc toi, tu n'es pas chrétien, tu ne lis pas la partie. Quoi. Et il dit une chose, il continue, il dit, « Nous vivons à l'ère de l'information. Nous vivons à l'ère de l'information. » Même dans les régions les plus reculées de la planète, j'ai vu de jeunes gens échanger des messages, textes, tout en conduisant la charrette familiale tirée par un âne. Jamais encore le monde n'a joui d'une telle vitesse de la communication. Il continue. À l'ère où nous vivons actuellement, l'information est le plus grand actif. Est le plus grand actif. Maman, si tu ne connais pas ce que veut dire actif, j'ai mon dictionnaire, tu regardes. C'est ce qui rentre dans ta poche. À l'aide de la communication, là, c'est un bien qui rentre dans ta poche. Actif. Il aime beaucoup parler d'actif et passif. Passif, c'est ce qui sort de ta poche. Donc l'information, celui qui a l'information, c'est celui qui détient l'argent. C'est ce que ça veut dire. Je viens de t'enseigner tout à l'heure. Autrefois, il fallait posséder des usines, des fermes, des élevages, des mines d'or, des puits de pétrole ou des gratte-ciel pour être riche. À l'ère de l'information, l'information à elle seule peut faire de vous une personne très riche. Lui, il aime parler d'argent. Vous n'avez pas besoin d'un bien corporel tel que des terres, de l'or ou du pétrole. Les entrepreneurs qui ont fondé MySpace et YouTube l'ont prouvé. Avec seulement quelques dollars, un peu d'information. Un peu d'information. Je vous dis ce que Constance Nouvelle dit, vous dit sur l'information. L'information, c'est quoi? C'est la formation qui s'intériorise. Tu te formes. Quelqu'un tu prends un coaching chez quelqu'un. Il te forme. Et l'information s'intériorise. Ça devient ton information. C'est ce que Constance Nouvelle te dit. Mais lui, il le dit. Lui, c'est un défoncier. Un peu d'information et la puissance de la technologie. Les jeunes d'une vingtaine d'années sont devenus milliardaires. Il parle de Mark Zuckerberg et tout cela. Tous les gens. J'ai lu le livre. Hein. Lui qui a créé PayPal, toute la bande qui a créé PayPal, là, c'est un même groupe. C'est qu'ils se sont éclatés, ils ont créé YouTube et tout ça. Là. Les blancs évoluent, vous êtes là dans l'aigreur, la méchanceté. Vous prenez la Bible pour faire n'importe quoi. On va prendre la Bible pour vous taper sur la tête. Laissez Dieu en paix. Il n'a rien à voir de vos bêtises. Donc, on n'est plus à l'ère, hein, à l'ère agraire. On n'est plus à l'ère industrielle. Vous comprenez? Avant, là, il fallait aller travailler dans une usine pour avoir de l'argent. Maintenant, on a l'ère de l'information. Donc, à travers une information, tu peux monnayer cela et puis avoir de l'argent. C'est ce que l'un des hommes les plus riches dit. Celui-là, il dit, hey, avec un simple message, tu peux devenir millionnaire. Brandon Bouchard. Cette femme-là, elle veut détruire le travail des gens, va détruire. Vous savez comment il a commencé? C'est la partie que j'ai notée. Ça m'a fait penser à moi. Avec ma natte. Est-ce que vous voyez ma natte? Est-ce que vous voyez ma natte? Partagez cela. Quand j'ai commencé, je n'avais que ces 2 gadgets à ma disposition. Je n'étais pas connu. Je n'avais ni argent, ni influence, ni oncle richissime.
Hein? Il n'y avait pas de tonton. Il n'y avait pas de tonton. Bref, je n'avais pour tout pellicule que mon message et mon rêve. Brandon Bouchard et mon ordinateur comme unique ressource. Son ordinateur. À l'époque, on parlait d'ordinateur, maintenant c'est le portable. Il avait un message. C'est avec ça seulement. Donc ceux qui sont là, qui ne savent rien, là. C'est-à-dire il avait faim. Toi qui parles de faim, là. Vous les Africains, vous n'avez aucune intelligence. Aucune. Quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas, là. Il dit qu'il n'avait rien du tout. Je vous relis encore la partie. Je reviens. Donc, j'écoute la dame. Elle continue à parler par des coachs qui ont fait. Ils commencent à. Eux tous ont trouvé un message. Ils commencent à pulluler des coachs. Il n'y a pas assez de terre. Lui-même, il dit. Lisez ce livre. Il dit il n'y a pas assez de. Avant, lorsqu'il y avait beaucoup de terre, là, qui se plaignait qu'il y avait, beaucoup de terre? Lorsqu'il y avait beaucoup d'industries, là, qui se plaignait qu'il y avait beaucoup d'industries? Les gens me disaient, mais il n'y a pas assez de travail pour nos enfants. Il faut créer plus de travail. Aujourd'hui, on a l'ère de l'information. Il y a de nouvelles professions qui se créent. Toi, tu viens t'asseoir avec ta masse. Tu viens me dire qu'il y a assez de, coachs. Il n'y a pas assez de coachs. Lorsqu'il y avait les usines, là, tu t'es plaint de cela? C'est ce qu'il dit. Lorsqu'il y avait des usines, vous êtes plaint de cela? Lorsqu'il y avait les terres, là, vous êtes plaint qu'il y a trop de terres? Aujourd'hui, vous vous asseyez gaillardement comme les hérissons. Hein? Des rats affamés, vous venez vous asseoir pour dire qu'il y a trop d'eux. Il n'y a pas assez. Dans vos pays de malheur, misère, là. Vos pays miséreux, là. Vous fuyez tous vos pays, vos enfants vont se faire sodomiser dans le désert, là. Il y a tellement de travail qu'ils vont se faire sodomiser dans le désert. Vous êtes là, vous voulez tout seul gagner. Vous voulez tout seul pour vous. J'ai tout noté. Et puis, j'ai pris une partie de ton audio. Tu continues dans la merde. On va rentrer dans la merde avec toi. Des gens qui souffrent. Ce monsieur dit que il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Et moi, j'ai plein d'informations là-dessus. Et dit, lorsque tu t'en vas t'asseoir avec ta camarade, ma chère, j'ai des problèmes. Et que ta camarade te donne des conseils. Son message vaut de l'or. Mais elle ne sait pas. Chacun a le droit de passer le message. Hello, je comprends rien, mais il n'y a pas dans jalousie, on doit s'entraider. Oui, c'est un peu long, j'ai tracé cela, s'entraider. Il y a un coach qui sur Internet qui ose attaquer tout le coaching. Que les gens, il y a trop de coachs, non, il y a de faux coachs. Le but, c'était de présenter de faux coachs. Mais dans le délit dans lequel elle est partie là, on va la retrouver là-bas dans la poubelle et puis on va la faire sortir. Par amour, aujourd'hui c'est dimanche. Donc c'est de ça que je veux parler. Donc je veux dire qu'il n'y a pas assez de coachs. Il y a très peu d'ailleurs. Il y a autant d'informations que de coachs. Voilà. Et avant, lorsqu'il y avait les terres, la personne ne se plaignait qu'il y avait autant de terres. Allait à Grès, allait où il y avait les. On était tous au village là. Personne ne se plaignait qu'il y avait assez de terres. Allait de l'industrie là. Personne ne se plaignait qu'il y avait trop d'industrie. Pourquoi maintenant vous plaignez qu'il y a trop d'informations qui fusent? Donc, trop de coachs. Malheureuse. Quand on est malheureuse, on se tait. Je lis tout ce que tu as écrit là. La contradiction de tes problèmes. Donc, elle a commencé à attaquer les coachs. Et plus elle avance, et je me rends compte qu'elle est en train d'attaquer le coach William, celui qui m'a formé pour les talents. Elle est en train de l'agresser. Vous me connaissez, je vous ai dit dès le départ que je suis un éveilleur des consciences. Lorsque ça ne va pas, je prends mon internet. Je dis que si le coach veut qu'il me tue, parce qu'une personne qu'elle a critiquée est venue me voir tout triste. Je parlais, je ne disais pas le nom des gens. La femme du monsieur t'a répondu. Va, t'as qu'à faut répondre. Donc, lorsque j'ai fini d'écouter, elle a même attaqué Conscience Nouvelle. Hein. On se connaît où? Mais elle a effacé les messages. Il fallait laisser. On allait décortiquer ton message pour voir combien de fois là. Ton message est nul. Mais personne ne vient dire que ton message est nul. Parce qu'il faut laisser chacun s'exprimer. Il y a une jeune fille. Elle va se souvenir. Elle m'a montré un jour sa page. Au départ. Elle s'appelle Nadège. Elle va se souvenir. Elle nous a montré sa page. On allait sur sa page. Tout le monde disait, ah, ta page est formidable. Quelque chose me dit, il faut descendre. Je ne sentais pas la page. Je suis descendue.
Lorsque je suis arrivée à un instant, j'ai vu une seule photo de décoration. Je suis allée, j'ai dit, Nadège, elle va se souvenir. Nadège N. J'ai dit, Nadège, tu as de la déco, tu fais la déco aussi? Elle dit, oui. J'ai dit, mais c'est ce que tu dois faire, mais pas de coaching. Je suis venue m'asseoir pour me rire d'elle. Non. Lorsqu'elle a commencé à faire du coaching, je lui ai dit, tu te souviens de la scène? Lorsque je t'ai dit de laisser le coaching et de faire la décoration, bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans leur domaine. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Un jour, tu vas revenir à ce que tu dois faire. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont pas de véritables coachs. Mais jamais je suis venue m'asseoir pour dire des méchancetés sur ces personnes-là. Parce que je pense que l'argent, là, ça va venir dans ma poche. On va mélanger ta chose. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer. Ce que tu as commencé, tu vas terminer. Donc, elle a commencé à humilier le monsieur. Je dis, attends, c'est pas la femme qui est au départ qui était avec eux, Adam dort pas et tout ça, c'est pas elle était avec eux. Moi, je parle pas derrière les gens. Je suis rentrée dans le groupe, dans la promo 6. Je suis allée. Je dis, si le coach veut qu'il m'enlève de son groupe, qu'il me parle plus. Effectivement, elle a dit, coach, en renouvellement de conscience, j'ai écouté son audio. Merci. Elle est effacée. Mais j'ai toutes ces bêtises ici. Qu'elle aille à l'école et qu'elle fasse un peu de régime, c'est ce qui l'embête. Mais on va. Oh! Elle a vu la femme blanche, non? Le côté blanche de la femme de coach William est sorti, non? Tu me connais où? Le message de conscience nouvelle là, c'est un niveau que toi-même tu ne vas jamais atteindre dans ta vie. Mais on arrive. Donc, le niveau de conscience nouvelle est trop haut pour toi. Va parler de la vaisselle avec tes amis. Les choses très bas là. Et puis va à l'école. Tes choses sont remplies de contradictions. Tu as vu la femme du coach William, t'as pas raté. Hein? Réponse à coach en dos. J'écoute, je dis, mais je rêve. La première fois, elle avait déjà fait un audio comme ça. Je savais qu'elle parlait. Elle a insulté la femme du monsieur. Mais c'est pas mon ami. Moi, je ne veux pas m'asseoir. Moi, je parle les gens qui vont chez le pasteur, chez le coach. C'est pour ça qu'il n'y a pas. Un pasteur m'a jamais violé. J'ai jamais eu de tentative de viol. Tu es un peu prête. Non. Mes parents disent, on ne va pas s'asseoir dans le salon des gens. Ça nous a sauvé la vie contre des viols. Donc éduquez vos enfants comme cela. Je viens de te coacher, hein? Mes parents ne va pas s'asseoir dans le salon des gens. Ça évite des viols. C'est pour cela vous n'avez jamais appelé. Beaucoup de filles appellent les coach. Je sais ça. Elles appellent coach. Même mes propres parents là, souvent j'oublie qu'ils sont là. C'est pas toi que je connais pas. Mais s'il y a une vérité, je vais défendre la personne parce que je suis loyale. Donc je prends mon cœur le 23 mai. Je mets l'audio. Je vais vous faire écouter. J'ai l'impression d'être dans mon groupe de mastermind, pardonnez. Hello à tous les talentueux, j'espère que vous allez très bien. Voilà, je vous reviens comme cela, tout juste comme cela. C'est, écoutez, c'est je vous dis pourquoi. C'est le meilleur des consciences qui c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Il y a une année ou deux, dans le club, je reviens encore avec moi. J'étais tellement nerveuse, excusez-moi. Dans notre club des talentueux que le coach William a mis en place. Je me souviens très bien en 2017, le 30 décembre 2017 ou le 28 décembre 2017. Il y avait une dame d'entre nous comme cela, je ne vais même plus me souvenir d'elle, qui avait fait la remarque sur les... Qu'elle laisse? Excusez-moi que je me calme. Bien sûr! Il a aidé beaucoup de personnes. Faut pas qu'elle fasse l'audio, j'ai une vue. J'ai noté tout. Tellement aucune intelligence. C'est parce que vous cherchez Mario. Vous allez écouter n'importe quoi. Voilà. Je vous donne la même confiance. J'ai tellement de choses à faire que sans doute que ça sera dans un an ou deux. Mais les gens vont me pousser à vous, à parler de ce modèle-là. C'est pas normal que des gens viennent et se mettre à parler négativement des autres. Bien sûr qu'on sait qu'il y a des faux, il y a des vrais. Il y a une chose que que l'eau m'a enseignée, moi, chez moi, que l'eau, là, tu te vas à l'opposé de l'eau, là. J'espère que vous entendez très bien. Faites-moi un signe si vous entendez bien. Ça va tout balayer. Ça, parce que là, vous voyez les inondations, ça va tout balayer. On ne se met pas devant on ne se met pas en opposition au chemin naturel de l'eau. Elle connaît son chemin. Ce qui vient de Dieu coule naturellement. Donc on n'a pas
à indexer les autres. Ça, je vous le dis ouvertement. En 2017, le 28, 29, 30, j'ai fait le live le 30, mais je crois que c'est un jour avant. Une avait mis dans notre groupe, il y a des faux quotes sur ce genre de choses. Et je réagis. J'ai réagi. Parce que je déteste, je suis née comme cela, les gens ne le savent pas. Je déteste les choses qui ne sont pas correctes. Et je suis une personne, j'ai toujours le courage, je le dis. Lorsqu'en 2011, j'avais des problèmes ici en Côte d'Ivoire, mes parents disaient, heureusement que notre fille Christelle n'était pas là, elle s'est fait tuer. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai le courage, je le dis. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent juste à dénigrer. Quand je ne vais pas défendre le coach William. Il y a une fois, une jeune fille qui avait fait son interview et elle a voulu, croyant, humilier le coach William. Je suis allée à son interview, je lui ai dit, c'est pas correct. Je ne veux pas vous dire même le nom de la personne qui m'a appelé à aller dans ce live sur Facebook. Je crois que c'était René. La jeune camerounaise qui me suit de temps à autre. La fille de Baran. De malmener ton coach, je dis, je suis allée là-bas. Je n'ai pas laissé les choses se faire. Je ne suis pas de votre religion, mais s'il y a quelque chose à dire, je le dis. C'est pas correct. J'ai fait savoir à cette jeune dame, enfin, dans le live de cette jeune dame, et avec tous ceux qui commentaient un peu comme des monstres, hein, en train de dire des choses qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, quelques mois, il y a un mois de cela, la jeune dame qui faisait l'interview a reconnu l'arrogance. L'arrogance des gens de sa communauté religieuse. L'arrogance. Et ça, je l'avais dit, lorsqu'elle faisait son interview, à tous ceux qui la suivaient, lorsqu'il y a quelque chose, je peux ne pas être d'accord avec même le diable, mais si il a raison quelque part, je vous vois même dans mes lames, je dis laissez-le en paix. Souvent il plaide non coupable. C'est pas joli sur internet de vouloir essayer de dénigrer le travail des gens. De faire croire, je n'ai pas envie de dire le nom parce que j'aime pas les, je ne suis pas dans les clashs et tout ça. Mais éviter des gens qui savent qui est bon pasteur, qui n'est pas bon pasteur, qui est bon chrétien, qui n'est pas bon chrétien, qui est bon coach, qui n'est pas bon coach, qui soutient de l'argent pour seulement tout juste parce qu'elle a faim et tout ça. Écoutez, je suis dans un club où j'organise des jeûnes. On dit souvent chez nous, il y a un jeune homme qui disait, notre vice-président qui disait à des jeunes, vous n'avez pas faim. Lorsque tu as faim, tu deviens génieux. Quand tu as faim, tu deviens génieux. Évitez ces gens qui se sont fait plus ou moins aider à un moment donné par le coach William, qui agissent comme si. Je trouve ça injuste d'abord. Je trouve ça déjà injuste. Et les gens qui sont toujours en train de voir qui est bon coach ou qui n'est pas bon coach, ça a failli même détruire la vie d'une jeune dame dans notre groupe. Mais la force est donc, elle a retrouvé son chemin. Les gens foncent au départ des erreurs. Mais après, ils retrouvent le chemin parce que tu ne peux pas mentir à la vie. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Mais quand on vit au groupe, on dit des choses et à la fin, on se contredit, moi je ris. Il faut le faire. Il faut le faire. Excusez-moi, je ris à moi. Il faut le faire. C'est pas joli. Souvent on parle, on ne s'écoute pas. On parle, on ne s'écoute pas. On minimise le travail des gens. Au lieu d'encourager les gens, même si ce n'est pas leur voix qu'ils ont choisie, n'est pas je une bonne voix. Puis je vous réponds. Mais de l'autre côté, on s'est dit, ils vont trouver leur voix. Moi, je dis à 3 ou 4 personnes, vous n'êtes pas sur votre voix. Oui. Ou sans me rendre compte, j'ai dit ce qu'ils devaient faire. Mais c'est vrai. Ils ont pris notre voix. À la fin de l'heure, ils ont recommencé à faire ce qu'ils auraient dû faire. Je peux dire le nom d'une. Oui. Elle avait oublié la scène. Nathalie N. Je me souviens, je suis allée sur ta page Facebook. J'ai vu une histoire de décoration. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas la déco au lieu de faire du coaching? Mais je n'ai pas pris. Je suis allée même le 30 décembre 2017. Je me suis assise. J'ai fait un live. Je me souviens très bien que le coach William avait dit, OK, pour éteindre le feu qui s'embrasait. Parce que j'aime pas. Je vais vous lire après ces choses ici. Deux, trois choses. Vous savez, si une personne fait ce qu'elle. Si une personne n'est pas un vrai coach, tout s'arrangera. Et ça calme le jeu. Mais là, cette dame-là, où est-ce qu'elle est? Elle qui critique, où est-ce qu'elle est? Il y a une qui riait. Est-ce qui riait? Vous êtes des coachs ou bien vous êtes tous des entrepreneurs ou il y a d'autres qui travaillent? Où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'elles sont? Ne vous mettez pas dans le groupe des gens qui ne reconnaissent même pas que
Il y a eu même une prostituée. Moi, je peux souvent dire qu'il y a des prostituées, des mendiants, des clochards qui m'ont aidé. Même si je ne veux pas, matin, midi, soir, m'asseoir dans le salon des gens, on ne m'a pas éduqué à le faire. Mais lorsqu'il y a une injustice, il faut taper sur la table pour dire non. N'allez pas vous asseoir avec des gens. Surtout vous, de la promo 6, les autres, ils peuvent le faire. On n'est pas de la même promo. Mais la promo 6, n'allez pas vous asseoir. Écoutez le live des gens qui ne reconnaissent même pas ce que le coach William a même de façon indirecte, même indirecte, à faire pour eux. Un semblant d'aide. Ça suffit. Il n'y a pas de syndrome d'imposteur. On n'a pas besoin, hein, les mécaniciens qui sont dans la rue ici en Côte d'Ivoire, là, ils ne sont pas tous allés à l'école, ils ont appris sur le tas. Ou je n'ai pas de votre ville, selon vos pays. Arrêtez, il n'y a pas de syndrome d'imposteur. Il n'y a pas de syndrome d'imposteur. Il y a des gens qui sont des médecins, mais qui ne sont pas de bons médecins. Je connais un médecin qui s'est suicidé ici en Côte d'Ivoire. Enfin, pas suicidé, mais l'angoisse. Il a étudié, mais il n'était pas bon dedans. Il n'y a pas de syndrome d'imposteur. Il y a des gens qui ont un diplôme, mais ils ne sont pas bons dans ce qu'ils font. Tous les policiers, là, ils le font pour, dans le, avec le cœur. Déjà, il est déjà applaudissé et dit merci d'avoir dit. Si ce que tu as dit, on s'élève. Mais de raconter des contre-vérités, je suis désolée. C'est vilain. C'est vilain. Je ne veux pas indexer les gens. On va rentrer dans des clashs. Mais je ne peux pas passer comme cela. Vous êtes avec le coach William. Vous allez vous mettre dans ces lives et vous applaudissez. Les gens qui s'attirent des malheurs. Il y a de faux pasteurs, il y a de faux prêtres, il y a de faux médecins, il y a de faux présidents. Il y en a tellement en Afrique, je ne sais même pas quoi. Il y a de bons présidents, disons l'inverse. Il y a de faux coachs, de faux de bons. Mais ce qui est de Dieu, là, demeure. Ce qui n'est pas de Dieu, disparaît. C'est ce que je me souviens très bien, d'une façon indirecte, c'est ce que le coach William m'avait dit. Mais je tolère ces gens, je ne tolère pas ces gens qui sont chaque fois en train de faire ces gens de live. Mais à la fin, ils sont en train de faire le même boulot que le coach William est en train de faire. Mais de façon banale, pour banaliser la chose. Je dis stop. Ça suffit. C'est ce que j'ai envoyé au coach William. C'est pour cela qu'il a réagi. C'est ce que j'ai envoyé à tout le groupe. Parce que si j'envoie, c'est pas mon copain pour dire, j'allais parler avec lui. J'ai mis dans le groupe, il a réagi. Il a dit au départ de se taire. J'ai dit, s'il se tait, moi je parle à un coach, à son coach à lui. Non, à un des coachs importants, Thierry, coach Thierry. S'il fait, je vais parler. Qu'il ne doit pas se taire. Il a dit non, de laisser, il ne veut pas de ne plus expliquer. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mais une fille est allée, a su automatiquement que je parlais de ce live. Comment elle a su? Comment cette jeune fille a su? Je n'ai pas dit le nom de la personne, mais la fille a su automatiquement que je parlais de ce live audio. Comment elle a su? Comment la jeune fille a su? Et la jeune fille a réagi. Puis dit effectivement qu'elle avait vu depuis longtemps. Mais n'a pas réagi. Le coach voulait me dire de me calmer. J'ai dit, si il le fait, je veux pas. Non, il ne faut pas qu'il laisse cela. C'est là sans doute qu'en parlant à sa femme, qu'ils ont réagi le lendemain. Je ne peux pas m'imaginer que sa femme aurait réagi. J'ai dit, le lendemain, il faut que je parle au coach William Darcy ou au coach, grand coach Thierry. Leur dit de réagir. Parce qu'eux, ils ne vont pas réagir. Il se trouve que la nuit porte-conseil, et le lendemain, elle est venue réagir. C'est parce que je suis une éveilleuse de conscience. Depuis 2 ans, ils portaient cette croix. Je ne veux pas te laisser 2 jours. On va démolir cela. Donc j'ai automatiquement réagi. Je leur ai dit, ils doivent réagir. C'est là qu'ils se sont réveillés. Parce que je suis un éveilleur de conscience en nature. Voilà une qui a dit qu'effectivement elle a parlé de cela. Donc je suis quelque chose, m'a dit, va reprendre son live. Réécoute. Donc je vous dis rapidement ce qu'elle dit. Elle disait comme cela, vous allez rater votre vie. C'est sa vie maintenant. Elle parle d'elle-même sans s'en rendre compte. Parce qu'elle parle et elle ne s'écoute pas. Elle parle et elle ne s'écoute pas. C'est un manque de sagesse incroyable. Vous allez rater votre vie si tu n'es pas. Tu peux rater ta vie si tu n'es pas à la place que Dieu t'attend. J'ai enregistré une partie. Hein. Je vais mettre ça tout à l'heure. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Si tu n'es pas à ta place, je vous ai dit pour cette jeune Nathalie camerounaise, la jeune dame. Aujourd'hui, là, c'est ce que j'ai dit qu'elle fait. Il y a une jeune dame, je ne vais pas dire son nom. Je l'appelais comme cela avant qu'elle ne fasse. Lorsque j'étais à l'université, j'ai donné le nom d'un jeune homme. Il s'appelait Thomas. Il s'appelait Martin, mais moi je l'appelais Thomas. Jusqu'à ce que ses parents lui disent que c'était. Ils ont changé son nom le jour de sa naissance. Ils avaient le nom Martin, Thomas dans leur tête, mais quand il est né, il s'est passé quelque chose et puis ils lui ont donné le nom Martin. Mais mon âme avait su qu'il s'appelait Martin, Thomas.
Donc ses parents étaient obligés de lui dire la vérité. Ils ont cru que j'étais vaudou, j'avais des choses et tout ça. Bonjour ma très chère, comment tu vas, Sarah Djadjal? L'une de mes premières qui me suit ici. Donc, rassurez-vous, j'ai un don aussi. Mais je n'ai pas encore bien développé cela. Donc il y a beaucoup de personnes, des gens, je sais qu'ils ne sont pas coachs. Mais jamais je veux venir m'asseoir pour dire, rire des personnes. Je vais vous voir comment c'est vilain ce qu'elle est en train de faire. Une raison qui lui a fait quitter le monde du coaching, mais fait une formation qui s'appelle le camp. C'est un camp de concentration, c'est ce que les gens ne savent pas. Vous courez pour chercher les maris partout là. Une des raisons qui lui a fait quitter le monde du coaching, qu'elle appelait après Coachmania, ce sont les coachs sortis de nulle part qui suivent les gens. Elle prend une info ici, elle prend une autre info là, une qui devient un coach sportif, après qui devient une briseuse de liens émotionnels, que je suis femme qui doit donner une bénédiction à mes enfants. Donc je ne peux pas me mettre ma main et mon corps dans n'importe quoi. Elle dit, les coachs là, ce sont des gens sortis de nulle part. Je vous ai lu tout à l'heure l'homme le plus riche, qu'est-ce qu'il a dit? Luc a dit que ton message peut te rendre millionnaire. Il a dit, quand j'ai commencé, je n'avais que ces deux gadgets à ma disposition. Je n'étais pas connu. Je n'avais ni argent, ni influence, ni oncle richissime. Bref, je n'avais pour tout pécule que mon message et mon rêve et mon ordinateur comme une unique ressource. T'as compris? On va te faire un coup. Parce que les gens vont te suivre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils suivent. Des gens qui ne savent pas où ils vont. Donc tu ne peux pas dire que les gens sont sortis de nulle part. Ce monsieur est sorti de nulle part. Brandon Bouchard tapé. Ce monsieur est sorti de nulle part. Il dit son premier coup même est un faux coup, mais il vend ce coup en ce jour, sans problème. Ce sont des défonciers. Ce sont des défonciers. On a le même message que lui là. Sans doute l'année avant nous, où il a commencé avant nous. Le coach William a commencé avant moi. Lady Sonia a commencé avant moi. Même si j'avais le message depuis enfant, moi là, y a pas, j'ai connu un problème et puis après le problème m'a permis de non. Ce que je fais maintenant là, c'est juste dans la constance depuis enfant. Donc je le fais au relax. Je le fais relax. C'est pour cela qu'il n'y a pas chez moi un temps de libre où Dieu m'a en train de me briser. Non. La seule chose, en 2015, j'ai renoué avec l'église. Je reconnectais avec Dieu. Je suis reparti à l'église et tout. Mais il n'y a pas un temps, non. Et je marche en avant, vers l'avant. Ok? Donc, tu ne peux pas dire des conneries comme cela. Ça prouve qui tu es. On t'a vu à tes débuts. On t'a vu à tes débuts, à les vidéos. N'importe quoi. Je ne cite pas les noms. Il ne faut pas citer les noms, mais on a cité ton nom. C'est ça qu'on appelle femme. On a cité ton nom. Mm-hmm. Je ne cite pas les noms, mais je connais une fille qui était à toutes les conférences. Cette fille m'a appelée. Un jour, on voit qu'elle est un coach en perte de poids et elle n'a jamais été grosse. Non, ce n'est pas celle-là qui m'a appelée. Celle qui m'a appelée, elle est un peu plus en bas. Pardon, ce n'est pas celle-là. Elle n'a jamais fait d'études. J'ai senti qu'elle avait faim. Elle fait du coaching parce que dans sa vie, elle se cherche. Celui-là se cherche. Dans mon groupe, j'ai un groupe de mastermind. Là-bas, on dit, quand tu n'as pas faim, là, tu ne deviens pas ingénieux. Quand tu n'as pas faim, là, tu ne deviens pas ingénieux. Lorsque tu es trop rassasié, là, tu es dans ta zone de confort. Toi, tu es trop rassasié. Il faut te dégonfler un peu. Et là, on est un porc devant un ordinateur. Comme elle a vu que la perte de poids, cela ne fonctionne pas, elle est devenue coach émotionnelle. À l'époque, j'avais dit à ceux qui donnent des agrégations, elle parlait des coachs Master Will. Les coachs là ont dit qu'ils regrettent d'avoir donné même à toi comme cela là les clés. Parce qu'ils n'étaient pas encore émotionnellement stables. Il y a un monsieur qui m'a dit, ma fille, écoute ce que je te dis. Le message que Conscience Nouvelle porte là. Toi là, tu es gonflé là, tu ne vas jamais porter de ta vie. Même tes enfants, ils vont faire n'importe quel étude, ils ne vont jamais porter ce message. Mais le message vous dépasse tous. Le message moi-même me dépasse. Mais c'est un honneur de porter cela. Il a dit une chose. Quand tu vois un serpent, quand on découvre un serpent, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà gros, non? Et qu'est-ce qui se passe à la suite? Quand on a déjà, on s'écrit, hey, le serpent, il est gros, qu'est-ce qui se passe? On le tue. Mais il a déjà eu le temps de grossir, de grandir. Parce qu'un serpent ne se monte pas quand il est bébé. Il faut s'enraciner.
C'est pour cela qu'il ne faut pas que je m'excite à sortir vite. Mon message là, ça vaut des milliards. Ça vous fait mal, hein? Montez, descendez. En tant que juriste d'abord là, je peux gagner de l'argent. En tant que polyglotte, je parle plusieurs langues dans les ambassades, je peux gagner de l'argent. En tant que le message que j'ai là, même des agents secrets me disent d'où est-ce que je sors ce message, je peux gagner de l'argent. Meurs, si tu veux, on va t'enterrer, on veut seulement la carte. Ma soeur vend des cartes de vœux qui marchent très bien. On veut recevoir, hein? On va te prêter, hein? Parce que toi, tu peux pas rentrer dans ton pays. Si c'est pas la France qui vous aide là, vous êtes quoi? Faut avoir le courage de rentrer chez toi. N'importe quoi. C'est la France qui vous aime. Moi, j'ai pas des conneries comme ça à vous dire. Bon, bref. Si tu commences là, tu n'as rien. La semaine dernière, comme par hasard, je vous ai dit, tu n'as souvent pas grand chose. Et c'est un processus. C'est un processus. Donc, tu ne peux pas te mettre à rire des gens parce qu'ils ont changé leur voix. Mais bien sûr, peut-être qu'au départ, ils n'ont pas voulu être vrais avec eux. Après, la vérité les a rattrapés. La réalité te rattrape toujours. Et ils changent. Ils cherchent leur stabilité, ils retrouvent leur stabilité. Moi, je connais beaucoup qui ne sont pas de vrais, véritables coachs. Je connais beaucoup qui ne doivent même pas faire du coaching. Mais après, ils retrouvent leur place. Moi, je connais beaucoup aussi. Oui, je suis dure, mais je dois être dure. Parce qu'elle était très dure. Elle était très méchante. Elle l'est encore. Elle a eu la chance, elle a effacé tous ses messages. J'ai pris une partie, je vais vous montrer cela. Vous montrer combien de fois elle est lâche. À l'époque, j'avais dit à ceux qui donnent des agrégations, elle parlait d'eux. Et les coachs William, là, ont dit qu'ils regrettent d'avoir donné à des gens comme elle, à des gens bizarres. Parce qu'on leur a trop vite donné, donc ils ont trop vite grandi. Donc ça leur monte à la tête. C'est un peu comme les gens qui gagnent à l'auto. Ils ne sont pas préparés psychologiquement à ça. Donc le papa m'a dit, Christelle, donc mûris, enracine-toi d'abord. Enracine-toi. Ne te presse pas. Enracine-toi. Le message que tu donnes est un message trop fort même pour toi. Lorsque je parle souvent, il y a des gens qui viennent me dire, tu as déjà lu ce livre là? Non, j'ai jamais lu le livre, mais je connais toutes les informations qui sont dedans, parce que chaque année mon esprit était nourri. C'est là que j'ai compris pourquoi. J'espère qu'un jour va me voir. Un jour, il m'a dit de travailler pour Google. Il m'a envoyé des papiers, l'homme de l'agent secret en 2012. Un ex-agent secret me donnait des messages, m'envoyait des demandes. Il dit, faut travailler pour Google parce que les formations que j'ai. C'est maintenant que je me suis rendu compte que ce que je fais là, je connais des connaissances sans avoir vu des livres pour ça. Lorsque j'achète les livres là, je pouvais être arrogante pour dire, oh, je connais déjà, Dieu va nourrir mon esprit. Mais je vois pour pouvoir confirmer ma foi. Lorsque Gbagbo devait sortir, le jugement de Gbagbo, il y a une jeune dame qui m'appelait, elle s'appelle Sidibé, Mouna Sidibé. Elle m'appelait pour savoir quelle était juridiquement la situation. En lui expliquant subitement, une voix m'a dit, Christelle, ton premier live 2019 dit cela. Il n'y a pas de développement personnel qui tienne sans de développement spirituel. Pardon, il n'y a pas de développement spirituel qui tienne sans développement personnel. Et que le développement personnel, c'est le chaînon manquant entre le développement politique et le développement spirituel. Vous voyez cela? Vous n'allez jamais voir dans un livre. Hein? Le message la dépasse. Elle est jalouse. Elle rêve d'argent. Moi, c'était moi, j'aurais fait un régime. Hein. Parce que là, franchement, à te voir, j'ai l'impression de voir un rat assis. À l'époque, j'avais dit... Donc, elle a dit à ses coachs-là, elle me regrette de t'avoir donné leur coup. On a vu le coach William, il est en face en train de pleurer si sa femme n'était pas là. Tu as blessé le monsieur. Si je n'étais pas allée dans le groupe pour dire, si vous ne réagissez pas, il n'aurait pas réagi. Depuis 2 ans, il garde une formation. Moi, je ne laisse même pas une minute passer. What? Dieu va faire. Je suis sûr que Dieu était en haut là-bas. Dieu dit, oh, oh, oh. Je suis sûr que chaque jour, on venait leur dire, il parle de vous. Je suis sûr que Dieu est en haut là-bas. Il dit, mais où est ma fille Christelle là-même? Christelle, pardon, vous faites, tu as regardé ça, tu as allé dégamer là-bas. Donc, j'ai écouté. Je suis tombée sur 2 laves comme ça différents. Le premier, ce n'était pas trop clair. Mais là, c'était clair. Je suis allée automatiquement. Je vous ai montré l'audio. Rapidement. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ils ont réagi parce que moi je veille les consciences. Tu ne peux pas être en contact avec le message de conscience nouvelle et puis ne pas changer. Parce que beaucoup sont dans une jalousie. Ils ne veulent pas partager les choses. Non, conscience nouvelle s'enracine. Conscience nouvelle n'a pas besoin de vos choses. Conscience nouvelle s'enracine. Vous vous combattez entre coachs. Vous vous combattez. Si je vous montre ces choses-là, elle va grandir. Oh! Moi là, il suffit que je prenne. On m'a donné des cartes. Il suffit que je monte là. Je suis partie. Mais là, le monsieur qui m'a parlé là. C'était, je crois que ça vient de Dieu. Il dit, ma fille,
tu es comme un serpent. Quand on va te voir, tu es déjà grande. Parce que le message que tu as là, c'est trop grand. Si tu n'es pas forte et que tu es connu là, tu vas devenir comme la merde qui vient s'asseoir pour parler du coach William. Elle ne voit même pas ce qu'elle dit. Elle ne s'écoute pas. Mais je vais vous montrer une seule chose et puis on va arrêter là. Dans cette histoire de coaching pelélé, palala, elle a perdu plus de 2600 euros. C'est là que j'ai su que c'était un problème d'argent. La femme de coach William lui a fait perdre de l'argent. Parce qu'elle a commencé à avoir grand. Tu as commencé à manger là, tu ne pourras plus bouger. Donc il faut manger peu d'abord. Tu me vois une fille qui est grosse. Même une fille qui est anorexique a plus, est moins frustrée qu'une fille qui est grosse. Vous voyez des filles qui, les coachs là, qu'elles sont assises là. Je vous assure que faut fuir. EP1, we talk in box later. No problem. Oui, quand on a trop bouffé, on méprise ceux qui nous ont nourris, qu'elles redescendent un peu sur terre. Elle va redescendre. Vous voyez une personne qui est grosse comme celui-là. Là. Elle est dans la frustration. Matin, quand elle se lève, elle a l'impression de voir un sac. Au lieu de guérir là, elle est comme un sac. Donc, elle est là, c'est la haine. Vous voyez une grosse, je vous dis aujourd'hui, vous voyez une fille qui est grosse. Elle est toujours mal. J'ai vu seulement une seule fille. Je ne veux pas dire le nom, c'est la fille d'un ministre. Je l'ai vu, je dis, mais cette fille, elle est. Ouh! C'est une seule fille que je connais. Elles sont mal à l'aise. Elles sont mal à l'aise même que les filles qui sont trop sombres de peau. Quand vous voyez une fille qui a un problème, qui se sent mal dans sa peau, là, elle veut vous transmettre sa haine. Je vous ai déjà parlé de cela. Quel est le but des messages? Allez-y, regardez mes autres lives. Donc, elles sont dans la haine. Moi, je sais enseigner. Mais elle est. Tu sais enseigner, toi. Tu es dans un camp de concentration. Ta formation, là, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? Pour prendre un dictionnaire. Quand tu donnes un enseignement, tu donnes une formation, tu es quoi? Tu es quoi? Tu peux dire que tu ne veux pas plus faire partie d'un groupe. Tu ne veux plus suivre le monsieur. Fine. Mais tu ne rentres pas dans ce genre de discussion. Tu ne veux pas salir. Tu ne veux pas dire des choses. Même si c'est vrai. Il y a des choses que les gens ont fait du tort à des gens ici. Mais jamais ils sont levés pour parler. Pour leur propre dignité. Vous prenez vos bagues de mariage parce que vous avez vu le mariage. Vous êtes tombé sur la main. On fait mariage. Donc vous vous donnez un air là. Vous avez le droit de parler de mariage. Comment faire pour être une bonne femme? Comment faire pour être la femme? Là, la femme de Proverbe 31 n'existe pas. La bonne femme dans la Bible, là, c'est maman Marie. Voilà, ok, il n'y a pas la baise chez elle. Ok, il n'y a pas ça, donc ça vous embête. Femme de Proverbe 31, n'importe quoi. C'est une femme qui n'existe, elle n'existe pas. C'est un idéal de femme, ok? C'est un idéal de femme. Proverbe 31, go, go, go. N'importe quoi. Parce que vous avez un mari, les filles qui vont te regarder là, c'est parce qu'elles se disent, une comme une patate comme ça, elle a eu un mari. Donc nous aussi, on va voir. On peut espérer avoir mari. C'est tout, hein? C'est tout. C'est pour vous, là. Le mariage, là, c'est quelque chose de grand. C'est pour ça qu'on va s'asseoir. Quand vous parlez de mariage, il y a plein de filles qui viennent vous écouter, là. C'est pour cela. N'importe quoi. No problem, P. Heinz. No problem. Donc, c'est pas avec moi. Le message de conscience nouvelle, là, c'est trop haut pour toi. Donc, on va parler toujours de vaisselle. On va parler de causerie autour de la cuisine. Le causerie autour de moi, mon mari, là. Voilà. Le causerie autour des linges. Les causeries autour des tresses. Voilà. C'est des bas quartiers, là. Le message de bas quartiers, là. Voilà. Ça marche beaucoup. Ça tire les mouches, plein de filles. Comment on fait pour se marier? Là, tu critiques les autres. Ton camp de concentration, c'est pas un camp de formation, ça. Faut rêver. Il y a des gens qui ont pris l'image pour faire leur produit. Quand on a pris son image pour faire produit, ma chérie, ça s'appelle, je t'aime trop pour t'appeler ma chérie, hey, ça s'appelle un portfolio. Si je commence à avoir mes séances de coaching, quand je vais finir avec ces gens-là, je vais prendre, puisque ce que je fais, ce n'est pas technique. Sinon, ceux qui sont techniques, là, quand ils ont fini de faire les sites de quelqu'un, ils ont travaillé, ils ont fait des vidéos de quelqu'un, ils prennent un peu de l'image de la personne qu'ils gardent. Lorsqu'on leur dit, tu as déjà travaillé, oui. C'est comme un genre d'expérience. Je montre. Voilà, quand je travaillais là, je travaillais pour celui-là. Je travaillais avec celui-là. Celle qui est en train d'évoluer là, j'ai travaillé pour elle. C'est un portfolio. Et Dieu, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Ça t'apprend à analyser. Ça t'apprend à avoir un esprit critique. Villageoise. C'est la France qui vous aide. Sinon, vous là, on doit vous jeter là-bas dans la misère au Gabon. N'importe quoi. Tu sais que j'ai acheté le cours de tel coach. Et puis, dès que j'ouvre, c'est le coup. Oui, papa? Oui, je vais. Un instant. Oui, mais prends un cadeau pour elle. On doit aller à un baptême. Prends un cadeau pour elle.
Est-ce que le cadeau est prêt? On doit partir. Donc une personne, dans 30 minutes, je vois, c'est toi, ton image que je vois. Ça s'appelle un portfolio. Même la vidéo que je viens de vous montrer là, le coach lui l'amassa. Pour dire, c'est moi qui ai fait la vidéo. Voilà. Et si un jour je suis grande, il dira, celle-là, c'est moi. Et ça fait pour lui. Et c'est comme cela. N'importe quelle personne, c'est comme cela. Ça s'appelle un portfolio. Note cela, je fais formation. C'est les filles qui cherchent mari là, qui partout là, qui vous suit. Moi, j'ai des conneries comme cela là. Je ne suis pas le fruit d'un homme. Je ne suis pas le fruit d'un homme. Je ne suis pas le fruit d'un pasteur, si ce n'est de Dieu. Enlevez Dieu de votre malhonnêteté. Des gens qui prennent la parole de Dieu pour être malhonnête, enlevez Dieu de votre poubelle. Rendons grâce à Dieu, car c'est lui qui a rajouté à notre n'importe quoi. Elle vous blague. Continuez à la suivre. Quand tu es dans un domaine, attends, elle a parlé de... Oh non, ça m'a fait mal. Elle se demande, qui suis-je? Je suis une mère de famille. Ce n'est pas des spécialistes qui excellent dans un domaine, mais des spécialistes qui excellent dans tous les domaines. Tu vois, Serena Williams a des chaussures. Serena Williams va avoir bientôt un parfum. Ils sont dans tous les domaines. On appelle ça dominer tout un marché. C'est-à-dire, quand tu prends tous les marchés, tu prends tout l'argent. Il y a les stars là. Ils sont comédiens, ils sont tout. Qu'est-ce que tu racontes? Je dois aller vite, je dois aller... Cette dame, ça m'a fait pitié. Elle a dit que il y a une qui m'a suivi sur 3 camps. Elle n'a pas payé tout. Elle est coach. Elle est devenue coach. Vous savez pourquoi elle est devenue coach? Je connais son histoire. Elle était ici. Elle m'a fait. Elle n'avait pas de CDI. Elle avait peur de rentrer au pays pour que l'on se moque d'elle. Oui, pour rentrer au pays, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Cette jeune fille m'a appelé. Elle a parlé plus d'une heure de temps au téléphone avec moi. Tu n'es pas là, le coach. Je te dis que en droit des affaires, en droit pénal des affaires, ça s'appelle abus de confiance. C'est-à-dire quoi? Il faut aller à l'école avant de venir faire coaching là, n'importe quoi. Lorsque quelqu'un me confie son affaire, dans tous les domaines, je n'ai pas le droit de prendre cette affaire là et de l'exposer et pour ricaner avec. Alors moi, ce que je demande à cette personne, je vais prendre ton histoire, comme fait tonton Zach et tout ça, je prends ton histoire et je vais l'exposer aux gens pour pouvoir aider tout le monde. Mais pas pour en rire avec ses copines. Vous riez, vous allez rester là où elle est. Et elle va rester là, mais vous allez rester, vous qui étiez là-bas, là, vous allez rire, vous allez rester là. Donc, la fille m'a appelé, elle lui a exposé son problème. C'est vrai qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent. Moi, j'ai coché une jeune fille ici, là, c'est moi qui en ai fait 1 000 francs pour le lui donner. Je dis à Dieu, mais c'est moi qui dois gagner de l'argent, mais c'est moi qui en donne. Aujourd'hui, là même, chaque mois, j'ai des gens que je coach. Mais je suis un éveilleur des consciences. Juriste en tant que profession. Va à l'école. Ça va te faire du bien. Ça apprend à analyser. Donc, tu ne peux pas mettre le problème de la fille. Elle peut te poursuivre en justice. Je vais faire vous poursuivre en justice. C'est un abus de confiance. Elle m'a montré un contrat de confidentialité. Merci. Moi, monsieur. On appelle ça un accord de confidentialité. Tu n'as pas le droit de venir exposer comme cela mes vaisselles villageoises. Les filles de rue là, au Gabon là-bas, là, elles sont arrivées en France. J'ai Marie. On va te dégonfler, tu vas comprendre. La fille est restée, la fille qui ne m'a jamais parlé. Elle dit, Christelle, comment tu as su? Je dis, mais quand je finis de lire l'audio, il y a quelque chose qui m'a embrasé. C'est même pas mon côté qui m'a embrasé. Hein. C'est le fait qu'elle a parlé du coach William et on connaît elle, leur lien. Tu parles de quelqu'un, même s'il n'est pas Dieu pour toi, même s'il n'est pas papa pasteur pour toi, mais à un moment donné, t'as acheté un micro. Vos pauvres. T'es pauvre dans la tête. Et tu resteras pauvre donc. La misère là, elle est spirituelle, elle est physique, elle est matérielle, elle est morale. Tu as deux pauvretés qui sont incroyablement graves. Morale. Et spirituel, tu parles de Dieu, mais il n'y a rien de Dieu en vous. On prend pas la Bible et elle vous ment. Si vous prenez la Bible seule, allez lire dans votre chambre. Le diable va vous torturer. Le diable connaît aussi ce qui est écrit dans la Bible. Elle prend où est ton cœur, là est ton trésor. La chose, c'est un message très dangereux. Donc, si ton cœur est sur les business,
sur ton cœur, sur les business, c'est que c'est là-bas ton trésor. Si ton cœur est sûr, moi mon cœur était sur le foot, Dieu a tout fait pour que mon cœur soit sur lui. Parce que ton cœur peut être une vilaine chose. Ne laissez personne. Donc, heureusement que chez nous, les catholiques, ce n'est pas n'importe qui interprète la Bible. C'est l'église qui interprète la Bible. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas 1000 confessions. Il y a seulement une seule confession. Parce que la Bible, ce n'est pas un livre comme cela. C'est un livre qui se comprend avec l'esprit. Si vous prenez la Bible, allez, elle vous ment. Allez lire seul dans votre. Vous les évangéliques, là. Allez, tu prends la Bible, tu vas lire dans ta chambre. Le diable va te mentir. Parce qu'il y a des messages qui sont très difficiles à comprendre. Il y a un monsieur qui a commencé à accoucher sa femme, son enfant comme cela parce qu'il a mal lu une partie de la Bible. Jésus dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit. Ce que tu lis là, il connaît aussi. Donc, il faut le lire à la lumière de l'église. Des pasteurs, des prêtres, des imams. Même les musulmans connaissent mieux que vous. La personne qui vit dans une liberté, je n'ai besoin de personne. C'est Dieu seul qui m'a fait. C'est un humanisme. C'est-à-dire que lui, il est au centre de sa vie. Sa liberté n'est pas soumise à la liberté divine. Elle est en train de vous torturer, elle est en train de vous mentir. Continuez, c'est pour vous. Tu veux gâter le mariage? Oui, tu veux gâter le travail des gens? On va gâter pour toi. Tu veux détruire le travail des gens? On va détruire pour toi. Ce que tu as commencé là, nous, on va terminer. Ce que tu ne peux pas terminer là, nous, tu ne commences pas. Parce que tu as fait sortir un faux truc là, un faux camp de concentration, les filles te suivent. Suivez-la. Moi, je l'ai suivi deux fois. J'ai vu comment elle a parlé à son mari une fois. Je dis non. Fini. Ça va être la coach de coacher, la protéger. C'est bien fait aussi pour les coachs. La protéger de temps. Elle vous a tous vomi. C'est pas parce qu'une personne ne vous parle pas. Il y a des filles là, elles sont près de vous. Quand elles ont ce qu'elles veulent, le monstre, sur son visage, vous voyez toute l'arrogance. Les filles qui sont au collège et qui aiment rire des gens là, elles sont grosses et puis elles aiment rire des autres. Parce qu'elles sont en groupe. J'ai dit à la jeune fille qu'elle a insulté là, elle a mis son affaire dehors là. Si tu continues comme ça, elle va prendre un avocat, pénaliste des affaires. Ça s'appelle abus de confiance. Elle t'a fait confiance. Elle t'a donné une affaire. Tu viens, tu l'exposes comme cela, croyant vouloir dénigrer les coachs. Il y a de mauvais coachs. Toi, tu es bonne. Tu es dans ta contradiction là. Je mets tout à l'heure ta voix. Tu vas comprendre ce que tu te dis. Vous savez pourquoi elle est devenue coach? Elle n'avait pas de CDI. Puis elle se moque. Elle préfère aller regarder Marima que de regarder le coaching de la personne. On préfère mille fois aller dans un camp de concentration que d'aller dans ton camp pourri. Je lui ai dit, tu sais, si tu tournes en rond, c'est parce que tu n'es pas là où tu dois être. Elle est allée s'accrocher à un XXO. Today, elle est devenue coach. Et un jour, elle va faire un live. Pardon, je préfère me mettre devant Marima. Maria, plus Marima, Gawaz. C'est tout ce que vous regardez. L'an dernier, elle est venue me voir et me disant, plusieurs personnes me demandent un conseil. Plusieurs personnes lui demandent un conseil. Peux-tu devenir coach? Je lui dis, puisque j'aime la cuisine. Ah non, elle parlait d'une personne qui voulait devenir coach. Elle a demandé à cette personne, est-ce que tu aimes la cuisine? La femme a dit, oui, elle aime la cuisine. Donc, elle a conseillé cette personne à faire la cuisine. Quand tu conseilles quelqu'un pour faire quelque chose, c'est quoi? Il y a un dictionnaire. Tu es conseillé. Quand tu conseilles quelqu'un dans ton camp de formation, là, tu fais quoi? Tu conseilles les femmes, tu les guides. N'est-ce pas? Ça s'appelle quoi? On n'est pas là à l'école, mais c'est une mauvaise chose, quoi. C'est la France. Oh. Et ce qui était mauvais, elle dit, si tu refuses de te former, tu vas faire des erreurs. Et une est allée prendre un livre. Elle prend l'exemple. Les femmes parlent trop. Il y a une fille qui allait prendre un livre, qui a acheté un livre de 20 euros. Et elle a transformé ce livre en formation de 400 euros. Elle allait confier cela à cette femme-là. N'allez plus vous parler de votre affaire. Elle allait confier à cette dame-là. Donc, tous les gens qui viennent, qui veulent faire la formation de cette dame qui a transformé le livre de 20 euros à une formation de 400 euros, lorsque les gens veulent faire la formation de cette dernière-là, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à ces gens-là, allez-y acheter le livre. Lorsque je devais faire la formation des talents, je devais choisir entre deux coachs, le coach Thierry et le coach William. J'ai demandé au coach Thierry, qu'est-ce que je dois faire? C'est lui qui m'a dit, si c'est les talents là, le coach William est bien placé. Mais il ne m'a pas dit d'aller sur YouTube pour aller regarder c'est quoi, connaître ses talents et puis devenir coach.
Il n'a pas dit ça. Il m'a confié à quelqu'un. Ce livre-là dit pourquoi on n'est pas unis. Pourquoi les Noirs ne sont pas unis. Pourquoi les Noirs ne soutiennent pas le business de leurs frères. Tu vas dire à une fille, mais l'information devient la sienne. L'information devient la sienne. Gawaz, tu n'es pas là à l'école, c'est pour ça que tu ne sais pas. Dès que tu as une information, elle devient la tienne. Quand tu vas à l'école, on te donne une information. Quand tu as fini, l'information devient la tienne. Et tu vas te déposer tes dossiers pour travailler selon l'information que tu as reçue, avec le papier que tu as reçu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Bête, man. Quand tu es bête, je ne sais même pas, je ne voulais pas l'insulter, mais je vois la stupidité dans laquelle elle est et je suis épatée. Je vais lire ça à la fin. Ce dernier, je vais lire à la fin. Donc, elle a détruit le travail des gens comme cela. Elle va. Oui, elle est très bête. Elle détruit le travail des gens comme cela. Parce qu'ils ne sont pas de vrais coachs. Toi, tu voles, tu lis dans la Bible, non? Tu prends l'information de la Bible que tu as reçue gratuitement, là. Tu vas, tu donnes la formation gratuite. L'autre, elle a payé un livre. Donc, l'information n'est plus une formation gratuite, c'est une information qu'elle a payée. Donc, quand tu vas à l'école, là, tu payes pour une information que tu reçois et tu travailles pour cela. C'est pareil. Puisque c'est l'aide de l'information, donc elle a payé une information, elle a traduit, elle a adapté et elle vend cela pour. Hein, c'était un investissement, donc c'est un retour sur investissement. Idiote, va faire des cours d'économie un tout petit peu. Et puis va à l'école. Tu n'es pas là à l'école. C'est pour ça que tu es dans les détails de ménagère là. Donc elle détruit le travail des gens. Elle va derrière, elle va dire aux gens, celle-là, il ne faut pas la suivre. Au lieu de suivre son cours de 400 euros, prends le livre de 20 euros. Et puis toi, Dieu va te bénir. Puisque la voie de bénédiction elle est extérieure, là, c'est l'argent. Là. N'importe quoi. Et puis, il y a une chose. J'ai fini par là parce que je dois partir. Je n'ai pas fini. Hein. Dès que je voulais finir, elle a effacé les audios. Faut laisser. C'est parti là, je vais vous lire. Et puis, elle a écrit à la 35e minute. Je vais vous mettre. C'est seulement 10 secondes. Heureusement que j'ai enregistré la partie. Puisque Dieu fait des merveilles. Dieu fait des merveilles. Maintenant, elle est là. Elle répond. Elle se cache pour répondre. Oh. C'est pas les causeries de commérage, ça. Et tu es en Dieu. Il y a l'Esprit Saint. Arrêtez de parler de l'Esprit Saint. Vous n'avez rien de Dieu. Je vous ai toujours dit. Ça parle de Dieu, mais ça ne connaît pas Dieu. Elle dit si on parle d'elle, tu parles de moi. Je remets encore pour que vous écoutez. Tu parles de moi. Tu dis mon nom. Je dis ton nom. Hey! Tu dis mon nom, je dis ton nom. Tu dis mon nom, je dis ton nom. Tu as cru que quoi? Attends. What? Aller. Tu dis mon nom, tu fais ton live, tu dis mon nom, je dis ton nom. Bon, imaginons que tu as tout effacé, tu voulais effacer toutes les preuves. Tu as effacé toutes les preuves. Hein? Tu as effacé, je vais garder tout ça. Tu as effacé toutes les preuves. Donc, il n'y a plus de preuves. Imaginons que c'est la femme du coach William qui a commencé à parler de toi. Elle aussi, elle est coach. Mais moi, puisque je ne la connais pas, je dis tout le nom de son mari. La femme du coach William dit, elle a dit ton nom. Droit de réponse, réponse à Amel Ando. T'inquiète. On a dit ton nom. Si quelqu'un dit ton nom dans un live,
Tu vas faire, tu as dit le nom et puis tu vas apporter les preuves. Bon, elle a dit ton nom, on attend les preuves. C'est toi qui fasses les preuves. Tu as vu qui tu es. Tu as vu qui tu es. Tu dis, on va remettre encore. Tu dis, quand si quelqu'un fait un live un jour et qu'il dit ton nom, toi, tu vas commencer à, tu vas aussi faire un live et dire le nom de la personne. Et puis, tu vas apporter les preuves. Bon, elle a dit ton nom. C'est là qu'on appelle femme. Ta cœur. Ta cœur pour répondre. On va, faut répondre. Elle a dit ton nom. Ah bon, c'est pas les femmes noires là. Quand on veut parler, toi t'as dit mon nom, toi t'as dit, toi t'as parlé de moi dans un édier là. Et Dieu te voit, la bénédiction de Dieu. Non, hein? En, femme, en bonne femme blanche. Je te réponds à toi. XXOPPP. Elle s'est pas cachée. Elle a dit ton nom. Tu fais un live. Qu'est-ce qu'elle a dit là? J'ai pris, j'ai tout pris aussi. J'ai fait un. J'ai tout pris aussi. Elle dit, vous savez, Amel Londo là, il peut avoir plusieurs. Vous tapez Google, il peut avoir plusieurs. Réponds. Ça te brûlait là. On a fait sortir maintenant. C'est qui te brûlait là? Dieu a cherché où était sa fille, l'éveilleur de conscience. Je suis allée, j'ai dit, j'ai réveillé la chose. Parle! Avec toute une arrogance. J'ai pris l'audio. T'as effacé, non? Parce que j'ai mis sur mon mur privé, les gens qui te suivent là sont allés te dire qu'il y a une même Camille, c'était à la 35e minute. À la 106e minute, tu as parlé de Lady Sonia. Allez-y, dis ça à Lady Sonia. Allez-y, dis ça à Lady Sonia. Allez-y, dis à Lady Sonia. À la 1h06 minutes, elle a parlé de Lady Sonia. Ce que l'on cache est exposé sur le net de nos jours. Le mot, ça c'est normal, non? Elle est manipulatrice. Elle dit une chose qui est vraie. La première phrase est vraie. Mais ce qu'elle dit en bas n'est plus juste. J'ai trompé mon mari. Venez, je vous montre comment ne pas le faire. Je ne veux pas être cette catégorie de personne. C'est de Lady Sonia qui parle. Parce que Lady Sonia, ceux qui ont été dans ses conférences, moi j'ai été. J'ai gardé le ticket. Malheureusement, il s'est fait tard, je ne peux pas aller chercher. C'est elle qui a dit cela, qu'elle a trompé son mari. J'ai fait un live sur elle où j'ai parlé de cela aussi. Voilà. Allez-y, dis à Lady Sonia qu'elle a parlé d'elle. Tu la connais, non? C'est à cause de toi là que elle te connaissait. C'est pour cela, c'est aujourd'hui là. Voilà, le coach William qui est dans les mers, la maître, il a voulu te protéger alors que Lady Sonia savait qui tu étais. Donc je profite en même temps pour dire pardon à Lady Sonia. Pardon. Lady Sonia, tu ne me connais pas. Mais c'est grâce à toi. Dans la vie, la chose c'est de la gratitude. C'est grâce à toi que j'ai connu le coach William. Qui n'a pas trouvé ce que je dois faire, mais qui a déclenché, qui a activé, qui a dit que ce que tu es là, tu peux prendre pour faire un travail. Pas en train de courir avec un dossier partout pour te faire humilier. C'est grâce à eux. Ils ne sont pas Dieu. Mais merci là, c'est déjà bon. Quelqu'un achetait un micro pour toi, tu n'avais même pas 5 francs. Ton premier micro, tu la fermes. On a un chiffon. Pardon, Lady Sonia. Lady Sonia, je n'ai pas envie d'aller sur ton mur pour te demander pardon. Si tu nous insultes, on dira c'est vrai, t'as raison. Mais reçois mes pardons. Le coach William n'a pas agi bien. Le coach William n'a pas bien agi. Mais Lady Sonia, je te demande pardon. Bonjour Anaïs. Ah, il paraît qu'on a parlé de toi, mais je ne peux plus. Lorsque je voulais tout répéter, ce qu'elle a dit là, elle a effacé tous les lives. Il y a un live même où elle parle de son livre. Pourquoi vous n'êtes pas allé l'encourager? Là, elle a ridiculisé aussi la femme du coach William. Mais je ne veux pas répéter. J'ai seulement répété à une personne qui est très proche du coach William. C'est elle seulement qui connaît la chose. Mais je n'ai pas répété même au coach William. Jamais je répéterai cela. Mais la deuxième fois, ça suffit. Qu'elle arrête là. Donc je dis à Lady Sonia, je demande pardon. Je ne te dis pas de redevenir ami avec le coach William. Mais laisse tomber tout ce qui s'est passé. Laisse tomber. Parce que lorsque je suis allée à ta conférence, ce n'était pas pour toi. C'était tout juste pour te dire merci. Tu n'étais pas obligée de dire le nom des autres pour que je puisse un jour trouver ma voix. Ma voix était en moi, je le savais. Personne ne peut découvrir, oui. Mais, comme on dit, Dieu ne peut pas descendre du ciel. Christelle, ma fille, voilà, d'abord prends un livre, écrit. Tu dois commencer dès à présent. Oui, c'est l'Esprit Saint.
C'est l'esprit, c'est plus Dieu. Pardon, je ne peux pas descendre de mon trône. Je suis assis sur mon trône avec mon fils. Mais cette fois-ci, je t'ai dit que je t'ai promis l'Esprit Saint. Nous sommes l'Esprit Saint qui parle. Non. Il passe même par une prostituée. Il passe par un clochard. J'ai vécu tout ça. Et toujours, je vous dis, je parle de ces personnes pour vous dire merci. Je l'ai appelée directement ma chère pour moi. Pour moi, on ne va pas loin. Elle ne connaît pas les Ivoiriennes. Elle ne connaît pas les Ivoiriennes. Ce qu'elle a commencé là, elle va terminer. Donc tu as dit dans ton audio là, que je viens de mettre là, que si on parle de toi là, tu vas réagir, tu vas faire sortir les preuves. Moi, je veux savoir quelles preuves tu as sur le coach William. Moi, je veux avoir les preuves. Nous, on trouve injuste qu'il t'ait aidé. Nous, on trouve injuste. Donc, fais sortir les preuves. On va prendre pour le condamner à mort. Donc, fais sortir les preuves. Tu n'as pas que, tu allais effacer toutes tes lèvres. On aurait décortiqué ta bêtise. Tu dis une chose et puis après, tu dis le contraire. Tu dis pourquoi ils ont beaucoup de produits. Et après, du coup, tu vas avoir ta marque. Tout est noté ici. C'est très petit manipulateur. Elle est manipulatrice. Elle a un problème de poids. Et elle aime l'argent. Le coach William et sa femme lui ont fait perdre de l'argent. Voilà le problème. Surtout la femme du coach William lui a fait perdre de l'argent. Elle a insulté dans un de ses lives. Pourquoi elle a effacé? Faut pas effacer, tu vas voir. Faut pas effacer. Tu es là, tu... Et puis, elle a pris le don. Elle a fait... Elle... Après, l'audio que vous avez tous écouté là, elle a pris un autre audio. Où elle faisait la formation des talents à chaque jeune. Je m'arrête là. Elle banalisait la formation. Elle leur a montré la formation. Tu veux ton talent, hein? Tu n'as pas besoin des gens. Fais ça. Et après, au même moment où elle faisait, la femme du coach William faisait son live, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était assise avec ses camarades comme au lycée. Elle est comme au lycée, au collège là. Assise avec ses camarades en train de ricaner. Ses camarades regardent. Il y a une, je lui ai dit, toi tu étais comme Pierre. Simon Pierre, toi tu étais dans son lab, je te reconnais. Donc elle allait par là, elle est rentrée dans le lab du coach William, de la femme du coach William. Elle parlait. Et c'est la même là qui transmettait ce que la femme du coach William disait à cette dame là, à cette Amel Londo. Et puis ça rit. Elle a tout effacé. Faut garder. J'ai tout ici. Tu as eu la chance que la toute dernière partie là, je n'ai pas récupéré. Ma partie là. Je t'aurais dit 2-3 mots. Voilà une qui a dit effectivement, elle a parlé de toi. Tu me connais où? Mon niveau là, tu peux la voir? C'est toi qui n'as jamais vu l'argent. C'est toi qui n'as jamais rencontré des gens importants. N'importe quoi. Quand on est grosse là, il faut que tu commences d'abord à travailler ta grosseur. Et viens, conscience nouvelle va laver, renouveler tes pensées avant que tu parles de quoi que ce soit. C'est vous, le mariage vous fatigue. Nous, le mariage pour nous là, c'est comme cela, banal. Aujourd'hui, elle prend notre téléphone. Il marie. Donc. C'est les ceux qui ne te connaissent pas là qui disent, elle est mariée. Donc, tout ce qu'elle dit là, dégage. On ne veut plus te voir parler du coach William. C'est la dernière fois que tu parles du coach William ou de sa femme. Ou de quelqu'un d'autre. Ou de Lady Sonia. Ou de quoi que ce soit. La prochaine fois que tu parles, on va aller te trouver dans ta poubelle. On va te nettoyer, te faire sortir de là. Tu ne nous connais pas. Tu ne connais pas les Ivoiriens. On va le dire à Lady Sonia. Tu as parlé d'elle à la 101h06. Tu as effacé. J'ai noté, heureusement. Tu continues dans ta bêtise, tu as effacé, maintenant tu es là, tu parles. Ce torchon, tu parles. Le torchon, les torchons qui disaient là, la cauchemania, tu parles. La fille que tu as insultée, qui est venue gratuitement dans ton live, elle m'a parlé pendant une heure de temps. Peinée. Elle me dit merci d'avoir interpellé sur ce problème. 2 ans, vous trimballez, c'est qu'elle dit. Moi, ça ne marche pas, moi. Hein. Tu parles, là, je coupe la tête. Un démon vit, tu coupes la tête. Ces serpents, ces dragons à plusieurs têtes là, elle pousse là, vous coupez. J'ai dit au coach William, vous n'avez pas le droit de vous taire. C'est là le lendemain, ils ont fait le live. Mais ils n'ont pas cité mon nom. Ça ne marche pas à moi. Hein. Je sais ce que Dieu a vu. Dieu dit, hey, Dieu, où est ma fille Christelle même? Elle va voir le live de la fille là et puis elle va tout chambouler. Je la connais, ma fille là. C'est pour cela elle est sur terre là. Où elle est même? Et puis j'ai vu le live. C'est la dernière fois que tu parles. Nous, les Ivoiriens, ça ne reste pas chez nous, ne reste pas à l'étranger. L'Ivoirienne, sa chose ne reste pas à l'étranger. Tu continues à parler, tu vas comprendre. Tu continues à insulter le coach William. Tu continues à insulter n'importe quel coach. Même si ce sont des salauds, ils ont le droit d'être des salauds. Ils peuvent se permettre de cela. Tu es contradictoire dans ce que tu dis. Ton camp de formation, ton camp de concentration, là, les gens ne te connaissent pas, c'est pour cela. Même toute ma vie, même on va mettre l'argent dans tes poubelles, là.
tu prends la Bible, tu prends, tu mélanges les choses, tu viens t'asseoir, tu dis cela. C'est ça qui est une malédiction. Mais quelqu'un achète un livre avec son argent, il fait une formation, c'est ce qui est un problème pour toi? C'est ça qui est un problème pour toi? Mais toi, tu prends la Bible, Femme 31, Proverbe 31, fais chier le monde avec. Tu fais un camp de concentration nazi, et puis tu viens, tu racontes n'importe quoi, et puis tu penses que tu es mieux que les autres. Elle est manipulatrice. Tu fais, on va faire encore une autre coupe sur toi. Va maigrir, va prendre des coups de coach à Amel avec son mari en un restaurant de diététique. Va prendre des coups là-bas d'abord, et puis va un peu à l'école. Fatiguer le monde là. Tu connais rien. Avec tes causeries de cuisine, là, tes causeries de 16 heures dans les quartiers là. Comment tu appelles cela? Vaisselle. Maintenant, c'est la vaisselle que vous faites. C'est la dernière fois que tu parles du coach, William. C'est la dernière fois que tu parles du coaching. Il n'y a pas assez de coach. Quand il y avait les industries là, vous avez dit qu'il y avait assez d'industries. Vous n'avez pas dit qu'il faut encore créer des industries. Il n'y a pas assez de coach. Chacun a un message à faire passer. Et chacun fera passer ce message. Je vais donner un message rapidement au coach William, sans doute. Et puis, on va quitter là. Moi, j'aime pas les ces gens de filles. Je n'aime pas ces gens de filles. Au coach William, maintenant, Christelle est un chef Wai. Aïe! Le coach William est venu me voir en interne. Il faut laisser. Depuis 2 ans, on entend venir du couat. Si vous ne réagissez pas. Je sentais que le coach William pleurait dans son âme. Mais il me dit à moi et aux autres, ça suffit. Dans le groupe de WhatsApp, ça suffit. C'est bon que ça s'arrête là. Je lui ai montré avec les émojis ma douleur. Je dis, je ne suis pas votre camarade pour parler avec vous. Mais le lendemain, je vais parler au coach Thierry. Sans doute que la nuit, sa femme a pris le courage. Je ne pouvais même pas imaginer qu'elle allait parler. Elle a dit ton nom. Tu dis que si on dit ton nom, tu as parlé. Ils ont dit ton nom. Voilà, c'est ça la femme blanche. La femme blanche a dit ton nom. Hein. Donc, faut envoyer les preuves maintenant. Yawa. La femme blanche dit, réponse A. Moi, j'ai eu peur. Il dit, aïe, on fait quoi là? Donc, puisqu'il y a les réponses, je vais te mettre encore. Puisque tu es une manipulatrice. Voilà, je vais arrêter là parce que on a monté 3 fois. Je vais balancer à beaucoup de personnes. Donc tu as effacé tes lives, on a quelques parties. Tu fais en balance. Tu dis si on dit ton nom, tu fais un live, tu dis le nom des personnes avec des preuves. On attend maintenant. On a dit ton nom. Parle. Moi aussi je dis ton nom. Va maigrir, prends des coups. Va maigrir, ça te fatigue. Vous êtes grosse comme cela et puis vous fatiguez le monde. Lorsque les gens, ça c'est au coach William, je dis cela. Lorsque les gens me critiquent et me racontent des mensonges pour me démolir, j'utilise leur négativité pour devenir plus positif et déterminé à gagner. Je vous répète ça encore. Lorsque les gens me critiquent et me racontent des mensonges pour me démolir, j'utilise leur négativité, leur venin va les consumer. J'ai rajouté. Pour devenir plus positif et déterminé pour gagner. Quand tu as fini là, il a eu deux personnes qui veulent faire sa formation des talents. Donc, c'est peine perdue. Tu ne peux pas coacher tout le monde. Donc, calme-toi. Reviens à la raison. Dieu nous voit tous. Rassure-toi, tu n'es pas mieux logé que d'autres sur cette terre-là. Reviens à la raison. Laisse la haine. On va te coacher aussi si tu veux. Parce qu'il faut que ta mentalité change.
parce que tu veux avoir tout pour toi seul. Lorsque tu parles, c'est comme si que tout ce que tu dis là, tout ce qui sort de ta bouche, c'est parole d'évangile. Et ce qui sort des autres, c'est pas bien. Alors que tu... si ce que tu fais là, si c'est du coaching, nous tous, on va se pendre. Il n'y a rien de bon dans ce que tu fais. Mais personne n'est venu te condamner. Mais c'est toi qui prends. Dis le nom de la fille qui t'a énervé, puis ça t'a permis de dire toute la pourriture qui est en toi. Là. Dis le nom de la personne. Malheur à toi. Tu es là, tu as compris. Tu n'as pas dit que tu parles, mais tu es zéro. Ça prouve que tu es lâche. Tu dis, si on dit ton nom, tu parles. On a dit ton nom. Tu as parlé. Tu ne peux pas. Donc arrête. Tu es un lâche. Une lâche. Tu ne vaux rien. Voilà. Tu as peur de la concurrence. Tu as peur qu'il y ait beaucoup. Il aura beaucoup de coachs. Le coach William dit, va encore coacher. Il va encore faire sortir beaucoup de personnes. Voilà. Et ce qui sera de Dieu, si véritablement ils ont reçu leur mission de Dieu ou leur mission de Dieu, ça demeurera. Toujours je dis, tout ce qui est de Dieu demeure. Et on va demeurer. Ça te fait mal, tu te veux tutoyer. C'est la seule chose qu'on veut faire. Je vous mets encore ça et je vous laisse. J'étais très longue, mais ça en valait la peine. Parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes qui se disent coach, mais elles-mêmes là, elles parlent des gens, mais elles-mêmes, elles ne s'entendent pas, elles ne s'écoutent pas. On va vous faire la sauce. On va vous faire la sauce. Malhonnête de noir. Mentalité pourrie que vous avez. Évoluez un jour. Évoluez. Si vous n'évoluez pas, vous allez disparaître. Et puis, il ne faut plus parler de conscience nouvelle. Hein. Je ne suis pas ta camarade. Le message est trop haut pour toi. Gros level. Va à l'école un peu. Maigris un peu. Tu vas te sentir bien dans ta peau. Ce n'est pas de notre faute. Hein. Bon, voilà. Nous n'avons besoin de changement de mentalité et chacun a sa mission sur la terre. Bien sûr, tant que ta mentalité n'a pas changé, tout ce que tu fais là, c'est du pourri. La preuve, elle prend le nom de Dieu pour faire n'importe quoi. Elle donne un mauvais message aux gens. Elles sont pleines comme cela sur Internet. Mais on va pas, jamais on va dénoncer. On va prier pour qu'elles trouvent leur voie. Je connais 4 filles comme cela. À la fin, la honte fait que elles sont en train de faire ce que j'avais dit dès le départ. Parce que la vérité reste la vérité. Et la réalité se rattrape toujours. Si la femme de coach William a fait que tu as perdu de l'argent, va lui dire. Hein? Fais tout pour entrer en contact avec eux et va leur dire. Moi, je n'ai pas ton numéro, mais si tu continues, on va te trouver dans la poubelle. Mentalité pourrie, on remet à sa place. Arrêtez de parler des autres. Vous n'êtes pas mieux qu'eux. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un ici. Donc arrêtez de parler des gens et faites votre travail. On vous voit dans la, on vous voit là. Vous êtes gonflé, gonflé, gonflé là. On vous voit ici. En haut, t'es gonflé, vous allez voir. Oh, t'étais dégonflé. Parlez de moi, on a dit ton nom. Paf. 1-0. T'as tout effacé, non? Oh, ça m'a fait mal l'autre jour, j'ai vu que t'as effacé tout. Je remets toute ta nudité dehors. Tu es nul. Tu es nul, en fait. Tu voulais pas entendre cela, on t'a dit aujourd'hui, tu es nul. C'est parce que tu parles de mariage que t'as l'argent. Hein. C'est parce que tu parles de cela. Quand on parle de garçon mariage là. Voilà. Donc viens, on va renouveler un peu tes pensées. Pour ça, tu vas renouveler un peu tes pensées. Et voilà, tu vas revenir à la bonne marche. Bon, il y a d'autres qui prient pour toi. Hein. Celle que tu as insultée là, qui dit qu'elle est venue de ton camp sans payer là, en train de prier pour toi. Donc si tu l'énerves, je lui dis de prendre un avocat. Voilà. Parce que ce que tu as fait là, c'est un délit. En droit pénal des affaires. Tu t'entends pas. Tu parles, tu t'entends pas. Tu dis une chose, 2 minutes plus tard, tu dis autre chose qui est différente. Tu veux seulement tromper les filles qui courent derrière les hommes. Mariage, mariage. Sinon, nous, là, tu n'as jamais trompé. Et tu continues à détruire ton travail. Avec amour, pour que tu reviennes sur terre. Et que tu construis quelque chose de véritable. Tu devais te mettre avec coach William, coach Lady Sonia, travailler ensemble. Pourquoi vous les noirs, vous êtes comme cela? Ça te fait mal. Tu veux être la seule coach. Moi, je suis pas coach, je suis un éveilleur de conscience. Quand je vais quelque part, là, va changer. T'as vu que c'est moi qui ai appelé le coach William. Voilà. C'est moi, Mangré Christelle Akossi. En 2 jours, j'ai écouté ta bêtise. La guerrière de la lumière. C'est ça, quand depuis je parle de mentalité, je parle de mentalité, les gens ne veulent pas écouter. Aujourd'hui, là, voilà, ça c'est vert, comme on dit, c'est versé. Il fallait qu'ils payent les consciences des gens.
C'était mon grand Christelle Akossi, votre éveilleur de conscience, la guerrière de la lumière pour vous servir. Conscience nouvelle pour une mentalité renouvelée dans notre continent. Et bonne fête des mères à toutes ces braves femmes du monde entier. Je vous aime. La prochaine fois, tu commences, on termine pour toi. Franchement, triste moi-même, je suis dépassée. Il faut dépasser Maki. Mon est là. On va rendre, on va, tout ce qui est tordu là, on va mettre à la place. Tout ce qui est tordu, on va mettre à la place. Tu fais, on met à la place. Mentalité tordue, on met à la place. Tu commences à effacer tes audios, non? Tu connais pas. Je vous aime avec tout l'amour du Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne et qu'il vous sanctifie. Vous comprenez? Je vous aime. N'oubliez pas, on se revoit la semaine prochaine pour un autre live.